porte-moi d'or. Ah, c'est gentil, sur les montres. Ah, eh les gars, regardez, il y a une bleue de la voiture là, allez. Donnez-moi les clés de la voiture là, allez. Non, en fait, c'est la voiture qui tourne pas. Mais je fais un petit tour, là. On a bien la voiture. T'es sûr? Non, pas de tour, c'est ma voiture. Regarde, je tourne en fait. On va mourir. T'es sûr qu'on va mourir? C'est pas radin là. C'est pas radin, c'est notre véhicule. Ouais, même le vendeur qui l'a rachète. Je te prends sur un 200 balles avec la voiture de chevaux. Regarde, je suis à fond là. Je suis chaud là. On va faire un corps tactique. Allez, 2 minutes le stream. Allez, je parie 20 000 sur la CC moi. 20 000, c'est noté. Ah, je suis là dans le tournant les gars, faites gaffe. Féfé, je te casse les dents. J'essaie de tourner. Et Sika, t'es parti où? On y allait, s'il vous plaît, on a une intervention assez urgente en fait. J'étais chargé une voiture. Mais où ça? Non mais bah, s'il vous plaît, oh, quand même, c'est une intervention. Venez, je vais casser ma voiture là. Attends, mais vous n'êtes pas loin. Allez mon petit chou, donne-moi tes clés là, j'ai besoin d'une voiture pour m'enfuir. Mais vous avez le cul pourri, vous allez salir. Allez, allez. Sortez, on a une frontière à faire, allez-y. Passe derrière. Merci. Ah ah. Je suis bloqué dans le tout. Barrière. Y'a le chasseur de primes sur nous les mecs. Oh c'est bon ça. Oh j'arrive. Ah c'est bon, il passe. On va pas se faire chier là. Je suis bloqué dedans plus. Il vient, il va droit sur Dionysos, mais moi je suis toujours au vendeur de fer là et je suis tout seul. Sérieux? Oh ça tire. Oh ça nous tire dessus mais je sais même pas pourquoi. Oh c'est quoi ce délire? C'est sûr que tu... Ah merci Johnny. Fallait aider Grincheux. T'as les clés? Bah bien sûr. Ah non, je vais fermer dedans encore. Waouh Johnny, tu peux m'ouvrir la porte? J'en ai marre. Ouais. Pourquoi ça tire au... Oh mais pourquoi ça tire là? Putain de bordel de chiasse. Mais ça tire au bazooka en plus. C'est la police du canton. Ouais, la police du canton, les encules, on va les fumer. Police du canton, les gitans. On arrive. Les flics ils ont rien fait non? Parce que je les voudrais pas. Mais je vais lui mettre tout un god, t'inquiète pas. Un énorme god Michel, je vais lui mettre dans son petit cul. Attends, tu veux la crocheter hein? Ah, ça va être cool. C'est bon? Je vais rester vers toi alors. Bah non. Je suis toujours enfermé dedans en fait, je peux pas sortir. Ah, ça fout le taquet là, mais je crois pas. What the fuck? Je suis enfermé dans la carrette, les copains. Ah bah c'est bon. Vous la voyez ouverte la carrette là? Non. Ah, il m'a fait l'ouvrir. Il m'a reconnu. Et ma balance, putain. C'est bon? Bah non. Ah, problème avec ton menu admin. Ah, c'est pour moi alors. Que pour toi? Allô. Putain, mais pourquoi il me tire dessus? Je lui ai rien fait, ce fils de pute là. M'énerve ça. On arrive, là. Ouais, mais là, il y a les flics sur moi quoi. Bon, j'arrive. Ah, c'est bon, c'est ouvert. Merci, Johnny. J'ai les clés. Bah, c'est bon, c'est ouvert, quoi. Ah, voilà, c'est n'importe quoi là. Je me fais taser, j'avais rien fait, quoi. Putain. Ça m'énerve, ça. Sérieux. On en parle ou. Quitte. Je vais me faire frappe, hein, d'office. Ça s'est fini en gunfight. S'il te plaît. Voilà, c'était sûr, c'était certain. Pourquoi? Bah, mais je sais même pas. On parlait avec des flics et puis tout d'un coup ça part en gunfight, tu sais pas pourquoi. T'étais frat? Ouais, j'étais frat, j'étais au sol en plus quoi, putain. C'est n'importe quoi ça. Attends, on arrive. Non, bah c'est bon. Tu peux me soigner s'il te plaît, Johnny? Attends. Là, ça sort de la voiture. Je vais mettre un spec sur vous là. Bon, y'a Bob qui dit qu'il arrête pour ce soir parce que c'est injouable pour lui. Ah merde. Ok, bah bonne nuit à toi, mon petit Bob. Oh, la carte de flic, elle est là. Il y en a trois. Qu'est-ce que tu veux de merde? Tu confirmes c'est. Oh, trois armes qui me tirent dessus! Oh, putain! Mais ils sont tient, mais c'est quoi le délire là? Oh, tu dis. Putain, attention, elle tombe pas! Jean Barteau. Qu'est-ce que t'en penses de la voiture? Prends la frappe, tu sors bon. On se barre au pire un jour. Pourquoi vous êtes dans ma carrette là? Non. Ça va. Non, je vais donner ma carrette à Lillois. Lillois, c'est lui qui me doit une poche de sang et une adrénaline. Merci, follow Eros.
Ça, par contre, ça. Allez, petit mec, on... plus que 7 follow, 7 follow, vous êtes 65 actuellement, merci à vous. 7 follow et on arrive à 100 avant minuit, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis voilà. Mais je suis heureux, désolé de la rage, les mecs. C'est juste que j'ai pas trop compris pourquoi la PC nous tirait dessus, comme d'habitude. Salut à toi, je sais pas comment on dit. Vous avez un merci, effectivement, merci à vous pour l'accueil des gitans et vous avez un grand merci de Bob. Ça fait des plaisirs. Ça faisait longtemps qu'on voulait jouer avec vous, mais on fera une team par jour, plus ou moins. En forme toujours. On a commencé par les meilleurs. Ils sont vénères, les flics, là. Ils tirent sur la détour. Ouais, ouais, bah moi je me suis fait frat M320, hein, j'étais au sol. Tu comprends pourquoi je vais pas la conduire ? La grosse merde. Et ils nous ont tiré dessus, mais ils ont même pas parlé, quoi. Ça me rend ouf, ça. Tu peux me re-soigner, s'il te plaît ? La grosse merde. Appelle-moi Fef. Bien pris, Fef. Tape point d'exclamation serveur optique. Vas-y, nous faut une autre carrette. Ça roule, sapin. Que ça, franchement. Imagine quand je pensais avec les flics avec ça. Je sais pas si tu peux la mettre. Putain, je suis en vue sur Nanar là. En vue sur Nanar, le stream. Il nous fait une opération commando à lui tout seul. Il y a personne qui lui tire dessus, le mec, mais il est là occupé à ramper dans les buissons. C'est bon, c'est bon. Il y a un chasseur de primes sur moi, les mecs. Ah ouais, j'en ai marre. On reprend dehors de voiture. Oh putain, viens. Je remonte vers Dionysos. On est au garde de Dionysos, je remonte. Merci, follow la carnute, plus que 6 follow, allez, les mecs, faites pas les radins. Ça me fera vraiment plaisir, honnêtement. Moi, je me monte en haut du bâtiment. Il arrive au garage ? Ouais, il revient vers moi, il est là pour moi, les mecs, il est là pour moi. Viens au garage. Je crois que je vaux une certaine somme. Et dis-lui qu'il vienne. Attends, je lui montre bien que je... Eh, calotte de ses morts à ces flics là. Il m'a vu. Voilà, je vais pas me monter en haut, c'est trop dangereux. Je crois plus redescendre. Cachez-vous. Ah, celui dans le bâtiment, il est vu direct. Putain, trop tard. Bon, t'inquiète, il va pas le voir. Et t'es loin de la zone ? T'es loin de la zone, j'en ai marre là ? Bah non, je suis à 200 mètres de là où t'es mort. Pourtant, il n'y avait pas de braquage de Penchy, il n'y avait rien du tout. Non, il n'y avait rien, je te dis, ils nous ont tiré dessus comme ça sans parler. Je pense que c'est la PCA, moi j'ai buté Fabrock comme d'hab. Et puis après ça, le flic il est arrivé, paf, M320, je me suis fait taser. Toi bah écoute, il me suivait, il était dans le virage du fer. Je vais ressortir ma carrette et je verrai bien. Les copains, il faut venir sur moi, l'action elle est là sur moi. On va lui tendre une embuscade. Sur une carrette. J'arrête pas avant longtemps, Big. Papy. Et pour Bob Dalton, je te promets qu'on essaiera d'aller à la frontière. Hein. Désolé si c'est un plus long que prévu, mais malheureusement, c'est Altis Life. En tout cas, encore merci à toi. Je vais utiliser l'ATM pour... Pour la pâté ? Ah bah, bien sûr. Reçu ? Il est parti sur la gauche, là. Attends, tu utilises l'ATM, on est tous recherchés. Il est parti côté Airfield. Non, juste moi. Il va croire que je suis tout seul. Non, mais il y a Jeannot qui a besoin d'aide, en fait. J'y pense. Jeannot, quoi. Il est encore vendeur de fer. Go, vendeur de pirate, les gâteaux. Tu peux nous donner un topo, si t'as des moyens. Merci, Nolte le pervers. Microphone activated. Ah, il répond plus, les gars, il répond plus. Là, il est muté. C'est pas bon, ça. Non, mais moi, je vois ce qu'il fait. Hein. Ça s'appelle comment carjacker une carrette de flics, ça. Bon. C'est bon, tu t'en sors, maître. Ouais, avec un petit peu de mal, mais j'ai voulu une carrette de flics. Il y avait 10 secondes, t'as le temps de parler ou... Merde. Plus de moyens de réparation. Quoique, ouais, si j'en ai pas les couilles de moi. Tu peux sortir Olivier de prison, s'il te plaît, hein.
Ouais. Non. What? Il se passe quoi là? C'est quoi ça? Je sors. Mec, oh, tu verrais ce que je vois là? Oh, j'ai trop fumé ou quoi? C'est quoi ce délire? Moi, je suis pas blessé. Les gars, j'ai tué une voiture de flic. Mec, il se passe un truc trop chelou. Tu prends feu là pour moi. Moi? Qui? Ouais. J'en ai marre là. Et Jeannot, il est en feu. Et Jeannot, il est en feu, je te jure. On dirait soit qu'il joue à Brick, soit, je sais pas, à Tetris. C'est hyper étrange. Allez voir sur mon stream. Si, si, allez voir sur mon stream. Il se passe un truc trop bizarre. J'ai jamais vu ça sur Arma. Il y a de la magie noire. Mec, c'est quoi ce délire? T'es en train de réparer là en plus. Ouais, t'es en train de réparer, mais au-dessus de ta tête, t'as un espèce de filet jaune. C'est assez impressionnant. Ah, appelle-moi Iron Man. Non, je pense que c'est bon, on peut te suivre la trace maintenant. Dou 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 dou. Je sais pas justement, je me demande, je pense que c'est des marqueurs pour montrer où sont les gens. Ouais là, si tu c'est quoi parce que j'ai la carrette de flic là. Non, 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 ça n'a rien à voir, les autres avaient ça aussi. Ils pissent vers le haut. je suis pas bien. Tous les gens de ma côté de moi, je suis pas bien. En panique. Ouais, je play après le reboot. Y'a Wizard, Alphonse. L'enfant qui est en test chez le. Jeannot, arrête de pisser par la caisse de ta. Par la vitre de ta caisse, s'il te plaît. Arrête de faire pipi. Mais je peux pas. Faites gaffe, les copains. Excuse-moi, j'ai sur la route, y'a tous les flics qui sont là. Oh. Vous allez vous faire déboîter, hein. Moi, j'aurais volé une voiture, hein. Moi, je veux voir ça, moi. Je veux. Va au fight. Moi, je veux au fight, allez. Venge-moi, les gitans. Passe avec ma Golf Camo Rebel, ils se retournent tous. Putain, mais comment tu l'as eu cette Golf, quoi? C'est trop cheaté. Tu penses que si je passe à fond, ils vont me tirer dessus ou pas? Exactement, Dark Baggy, t'as vu ça? On a l'atelier peinture, si tu veux. C'est tous les dimanches à 18h, les ateliers peinture. Si, moi, je suis un putain de deck, quoi. Je vais repasser. Il y en a un 320, faites attention. Mais c'est tous les Stonecraft. Quand ils sont là? Je suis blessé. Ouais, salut les poilus! Salut les poilus! Non, mais c'est qui? Putain! C'est qui cette putain de Ferrari? Allez! Mais non, quoi, putain! Il y a quelqu'un qui a pété par là. Putain! Le mec, il faut que j'arrive à fond, il me tourne dessus, quoi! Il reste qui de vivant là-bas? Mais sérieux? T'as pété ta carotte aussi? Bah, je suis passé, je me suis fait tuer. Ah, voilà. Okay. Mais je sais pas. Voilà, on est d'accord, bah donc c'est bien ce que je pense. Je sais pas ce qu'ils ont, mais. Les mecs, ils étaient tous en train de. Limite de repartir leur bagnole, je sais pas s'ils me tirent dessus. Sérieux? Des flics? Oui! Ouais, j'ai foncé là-dedans. On va dire, ok, quoi. On se passe tranquillement, les bêtes. Non, mais sérieux, c'est bah non, tu peux pas revenir sur zone, quoi, ça le pire. Bah, je suis pas mort, moi et Johnny, on est pas mort. Ah, bah attendez, je vais me mettre sur. Ça fait... Je demandais qui était là, donc attendez, je vais me mettre en vue sur vous. Nous, on essaie d'arriver discrètement, on va pas. C'est un putain de tardos, le copain qui était là-bas, quoi. Je vais me mettre dans la maison. Putain, c'était magnifique, j'en ai marre, ton accident. Bah attends, le mec, il voit que j'arrive à fond, il met un gros coup de volant sur moi, quoi. Putain, y'en a un qui s'excite sur son clavier, là. Il est occupé de nous sortir un roman. Ouais, dans le game, on m'appelle Mozart. Non, je pense que c'est Sika, en plus, qui appuie sur son clavier comme un... Ouais, comme... c'est moi, je leur parle, ils commencent à me casser les couilles, c'est vrai. Bah surtout qu'ils ont pas ouvert la bouche, quoi. Quand ils m'ont buté, eh oui, y a pas eu un seul mot, quoi. Aucun qui parle et il tire. Enfin, c'est sérieux. Et y'avait aucune raison, on était avec Azurion, on peut s'occuper à discuter. Donc j'ai même pas compris. T'as récidiver, j'ai perdu Nak à cause de lui, là. Ta sœur a un orteil dans le dos avec un pôle dessus, mec. Je sais pas si tu m'entends, mais je te le dis quand même. Putain. Putain. Insulte de gitan là. Punisher, j'avais tout calculé.
en barre d'un vue, les flics, je m'en bats les couilles. Oh putain, je me fais tirer dessus. Sans blague. Ah, je suis blessé. Ah là, tu vas mourir, ils vont t'encercler à 12 là. Denis, est-ce que tu peux courir rentrer dans la maison pour que je me soigne? Allumé, ouais, je sais bien que c'est la PCA, mais je vais de toute façon, je sens que je vais le reban parce qu'il m'énerve déjà pour multiples raisons. Non, mais c'est honnêtement, hein, hier j'ai eu des plaintes parce qu'apparemment le mec il insulte et tout, une game, sans raison RP. Et à chaque fois que je le vois, effectivement, il engage des gunfights de ouf, sans raison quoi. Bah, hier il a essayé d'arrêter un convoi de 8HMTT à lui tout seul. Ouais, 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 exactement, il m'a fait le coup hier aussi. J'ai mis une tête à 800 mètres, raté bien évidemment. Enfin, mais en tout cas, j'ai essayé de lui mettre une tête à 800 mètres. Mais bon. Avec quoi, comment? KMS. Ah ouais, 800 mètres. Non, si, j'étais pas loin, tu sais, ça tapait sur sa bagnole. Mais bon. Et puis les mecs jouent au son. J'en vois un. Ça, c'est la merde pour lui. Microphone activated. J'ai vu un gars qui me rush. Il y a un mec devant moi. Ah ouais, il est dans le buisson là. À côté de ma maison. Attention, à côté de moi, il y a un gars dans le buisson. Salut Yacine, je parlais de la PCA. Le mec il tente de travers comme ça sans me voir quoi. Microphone activé. Oh, ce que tu lui as mis. Putain, t'es violent en gunfight. T'es violent en gunfight, mon vieux. Ouais, non, mais celui qui est en train de ça rien, c'est abusé, ça aussi. J'avais baisé, franchement. Le ouais, 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 mais moi j'ai déjà eu le coup aussi. Tu le remets 600 balles. Par la gauche. Nanar est mort, je crois. Nanar est au sol. Là, tu as rien compris. Non, ouais, tu putain, les gunfights de ouf que tu fais. Tu toujours attaque agressif. Dès que tu peux te tirer dessus, tu vois un gars, tu cours dessus. Non, moi, il a dû mourir. Tant pis, c'est le jeu. Putain, et l'autre il est. Mais tu vois, oh, l'autre c'est fini d'avance, il est au coq avec un sniper quoi. Oh, regarde. Ouais, regarde ça, t'es déjà occupé de mourir. Ah, ça va. Johnny ou Grache, je pourrais prendre des pions. Tu pourrais. Je monte les mecs. Attends, Lilo. Ouais, tu vas crever si tu te rends. Tu me dois un kit de rage, une poche de sang, tu as dû me la rendre tout à l'heure. Ah, d'accord, je te rendrai ça. Et bah ouais, bah en combat on a... C'est moi je suis en stream Lillois, mais c'est pourquoi en gros ouais, non mais c'est juste en fait, pour ça en fait j'ai un gars qui est complètement bugué sur le camion en fait, il a dû avoir un quelqu'un qui l'a braqué et a récupéré le camion, le gars a dû crash pendant qu'il regardait l'inventaire et du coup impossible d'accéder à l'inventaire. J'ai plus camion, de camion. Comment je peux faire, je peux... Parce que je sais pas si moi je peux rembourser comme ça puisque je peux... Ouais, tu rembourses sa cargaison avec rembourser cargaison. Si tu lui demandes de ressortir un camion et tu ranges celui-là à la fourrière. Ok. Ça va, je vois pas d'autre solution. Voilà, voilà. Non, mais c'était pour savoir si je pouvais utiliser le remboursement au niveau du. Mais le mec. Oui, bien sûr, tu peux, bien sûr, c'est fait pour. Encore, juste pour me mettre dans un état encore pire. Ouais, ouais. Mais un gars, il prend pas ses balles, ça abuse. Non, mais c'est tous les gendarmes, c'est tous les gendarmes, j'ai testé, honnêtement. Attends, le mec, il m'a blessé et il me tire au-dessus au M320. Ah. Encore. Ouais. J'ai raté un homme normal, il mourait, je rentrais à la maison, je me re-soignais, et je les rebaisais tous. Je te promets, j'ai tiré sur un mec 3 fois au FRF2, il est pas mort. Non mais ça c'est les shoot-off des gendarmes, ils sont légèrement overcheatés. C'est pas mal hein, d'un côté, mais moi j'ai déjà mis parfois des full... Coucou mon petit chou.
J'ai déjà mis des foules parfois aux gendarmes et ça leur fait rien. Comment tu vas? Ouais, ça va, j'ai un peu mal au cul. C'est pas grave, j'ai plus de com au pire. Oui. On est tous morts chez nous. T'inquiète, ils vont nous réanimer puis on va repartir avec nos stuff. Au pire, de balancer une baraque, t'en bats les couilles. Ah ouais, je veux une photo de la maison de la dernière fois, les gars. Balance une baraque et je vais leur dire pourquoi ils nous tirent comme ça à vue sans aucune raison. Non, mais c'est rebelles, c'est HRP, ça, non, ouais, bah ça... non, c'est pas RP. C'est RP, mec, pourquoi vous nous tirez à vue? Il est où le HRP dedans? C'est que tu veux que je dise ça comment? Ils nous ont vu, ils nous ont tiré dessus. Mec, c'est parfait, j'ai pas dit t'inquiète. Ah, c'est parfait, t'as tout, j'ai envie de voir. A plus, Punisher. A plus en plus, Punisher. Bon, bah, écoute, je n'en prends rien avec moi. En plus, il est mort comme un Philippe. En mode tantôt, son bras, il a fait... Il y a quelqu'un, il est mort comme un Philippe. Ça va devenir une insulte. C'est... faire ton Philippe, s'il te plaît. Il n'y a pas quelqu'un qui a été frat aussi, comme moi, parce que là, du coup, je me retrouve tout seul qui dans le jungle des gitans. Qui ça, moi? Bah, j'en ai marre. Bah, t'es où, j'en ai marre? Bah, gitan, là, je suis en train de me restuff, il me faut des chargeurs d'MK18, mais je peux pas en avoir. Il faut quoi de toi? Bah t'en veux? Bah ouais, si t'en as. Je suis dans le coma, je peux pas t'en acheter, je t'en en coma. Non, bah je sais pas t'en acheter, mais je peux te les give. Ouais, si tu veux bien. Ça te dérange pas? Non, je m'en fous. Je fais ça de toute façon pour tous les gants. Mais... attends, je vais donner avec mon hélico, je vais le mettre dedans. Ouais. Alors, chargeur d'M320... Ah non, MK18, c'est ça? Ouais. Et puis y'a un silencieux si ça dérange pas. Y'a un traître parmi les flics. Ouais, qui sont bons. J'ai vu Ping Yang. Cette salope. Ouais, ils sont bons. Mais... Silencieux. Et je vais leur dire, on a affaire, vous êtes des rebelles, monsieur? Non, bah non, les gendarmeries. Parce que ça vous arrive souvent de tirer là, sur des gens honnêtes, à vue. Des gens honnêtes? Ouais. Ah, moi je vais leur dire, hein, ça vous arrive souvent de tirer sans parler. Voilà, c'est dans le coffre. C'est pas ce qui s'est passé avant les mecs, peut-être que... Non, moi je sais ce qui s'est passé avant, j'étais sur zone avec Azurion qui était en flic, gros, il s'est strictement rien passé. Mais quand je te dis rien, Azurion a dégagé avec son pick-up, il n'y a pas eu une once de parole, on n'était plus que deux sur zone, on s'est fait allumer comme des lapins sans raison. Mais sans une seule raison, il n'y avait rien. Bizarre. Enfin, à moins qu'ils osent me dire, peut-être... C'est bizarre. Enfin, je m'en fous de m'être fait tuer, hein, mais... C'est un mauvais moment. C'est non. Parce que normalement, quand ils tirent, c'est qu'il y a une raison. Quoi. Non, mais là, je vois pas c'était quoi. Merci, la raison, honnêtement. On pourrait leur demander après. Bien essayer de comprendre, mais il y a des limites, quoi. Bon bah du coup j'ai pris une MK18 aussi. Hein. Du coup moi je vais chez qui demain? Tu vas en si tu peux m'en mettre encore 4 ou 5 chargeurs. Oh bah non. S'il te plaît. Non. Après je te liste le pot d'échappement. Ok. Ah oh, tiens. Merci. Monsieur, cette belle hélico que vous avez là. Putain, il est collant lui, c'est un truc de fou quoi. Ouais. Merci mon chou. Mais de rien mon loulou. Voilà. Allez en route, on va aller faire des trucs, hein, je sais pas quoi, mais on va c'est y voler. C'est ça qui est long après, c'est que. Bon attends. Mais il monte avec nous quoi.
peux venir avec vous? Ah putain, mais il est super collant. Ouais, tu peux venir, mais tu vas sauter, c'est moi qui te le dis. Monsieur? Allez, c'est parti. Oh oh. Les gars, il faut toujours qu'on parle. On parle quand on est réanimé. Ils vont oublier de nous. Faut les faire oublier. Leur taper dans le système. C'est la lumière en dehors. C'est la lumière en dehors. Oh, il y a Jules Montana là, c'est un traître là. Oh, deux canters là en dessous de nous, Grinchu. Canters qui vont vers où? Attirant. Là, à gauche de nous. Ah ouais. Bah ils font de la coke quoi, s'ils viennent de là-bas. Ok, bah on va les suivre de loin, je vais monter en hauteur. T'as une bonne config? Ouais. Ok, bah les perds pas de vue, hein, c'est ton boulot. Ah ouais, sinon on peut aller se faire la frontière aussi. C'est vrai que on doit une frontière au viewer. Affirmatif. Tu veux faire quoi, camion ou frontière? N'importe, moi je m'en fous. Ou camion et frontière? Camion, comme ça on arrive, on est libéré ou... Bien sûr, on attend que vous soyez libéré pour... Bon alors, il m'a dit que je suis pas recherché, que je suis pas arrêté officiellement, mais c'était un peu flou et... Un peu flou parce qu'apparemment... C'était un deathmatch, vendeur de fer, quoi, n'importe quoi. C'est ça. Réanimé ? Ouais. Bah pourquoi nous, non ? Bah, je... Venez, t'es réanimé ? Ça va venir, peut-être. Bah apparemment je suis recherché, donc c'est ça le problème. Ah ouais, t'es recherché, ils ont retiré à nous quoi. Non, ça je vais la reclaquer, t'inquiète pas. Okay. J'attends. De toute façon on va pas se quitter. C'est pas du give, sapin. Je me suis retiré de l'argent juste avant quoi. Mais même si ça serait du give, c'est... Ouais. Non mais j'ai aucun intérêt à me give, de toute façon je trouve ça pourri, donc... Ça me pourrit le jeu de ce gif, tu vois, j'ai aucun intérêt à faire ça. Moi je farm à l'ancienne. Ça me ferait chier d'avoir une illimité, sérieusement. Bah, regarde, c'est comme moi avec mes 160 millions, ça me sert à quoi d'avoir autant, rien du tout. Non, ça sert à rien, mais toi tu les as farmés, je trouve ça très bien. C'est cool d'avoir, d'être le plus riche du serveur, mais moi je parle. Enfin, quand je suis passé modo, à l'époque, on avait proposé à moi et Lambert pour le remboursement d'avoir un compte illimité, tu vois. Et on a dit non, merci du don de 2€ de Dalton Bob. Merci de donner ses données et reprendre ses volets. Ça fait du plaisir. Un don. Encore un don du prix. Tanon. El color de mi cielo. Mais j'ai une config de peur, j'arrive même à voir les camions ici quoi. Avec moi maintenant. Ils sont où? Parce que moi je sais pas. Ils sont en dessous de nous, pile poil mec. Je veux l'au-dessus d'eux comme ça ils voient pas le reflet. Ouais. Ah oui, écoute bien, je vais tout leur claquer là, je vais leur parler comme un dérobé. Vas-y, je me bute. Vas-y. On revient après les gars, je t'envoie ce qu'il faut sur TS, Nana. De quoi? Je t'envoie ce qu'il faut sur TS. Ouais, mais ouais, j'ai des copies, merci mec. A toutes. A toutes, bon RP. Merci. Passe par la brèche, elle est ouverte. Ah ouais, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Putain, mais par contre, si on doit attendre qu'il distille et tout, ça va nous mettre une plombe. Non, bah les dépêches au dealer. Ouais, c'est ça, mais donc il faut qu'il fasse tout le trajet. T'es en copilote, gros? Ouais, je suis en copilote. Bah tu restes à 1 km, 800 mètres, 900 mètres de hauteur, comme ça ils nous entendent pas, ici c'est pas mal, je pense. Et puis tu les suis tout doucement comme ça on leur colle au basque. Tiens, j'ai déverrouillé. Et on a une belle vue d'ici. Ah putain, il y a encore l'autre mongol avec nous. Oui mon petit chou, vous allez pouvoir sauter, voilà on est arrivé, allez hop, on va vous pousser de l'hélicoptère maintenant. Ah ouais? Ouais, on va vous pousser, ouais. Oui, vous avez un parachute pour moi? Ah bah non, on n'a pas de parachute. Non? Non, bah oh, non. Ça va être dur, hein. Ah bah ça va être violent le bon, choc. Mais... Hein. Bon bah allez. Allez, au revoir monsieur. Journée, hein. À vous aussi mon petit chou. Il a vraiment sauté ce con. Il a vraiment sauté ce con. Il est trop con. Avance un peu, je veux voir son plat là.
Ah oui, je le vois. Ouais. Oh. Putain, il a... Attends, bouge pas. Oh, bam. Magnifique. Bah oui, je lui ai dit que je le poussais, RP parlant. Ah, le con. Mais j'ai honte, papy. Tellement drôle, en plus il aurait pu nous aider pour le braquage, je pensais pas tout à fait qu'il allait le faire, mais c'est drôle. Délirant. T'es sûr qu'il voit la distique de coq ? Salut Adam. Ouais, bah ouais, c'est le chemin que moi je prends pour aller à la distique, gros. C'est long, mais efficace. Il y a une voiture aussi derrière. Ah, regarde, il y a même des... Oh putain, regarde tous les camions col illégal. 1, 2, 3, 4... On est que deux, tu vois, donc on peut s'occuper que deux camions à la fois, c'est pas possible. Enfin, quoi que non, on a des MK18 en plus, c'est vrai ça. On peut faire du long drive, c'est bon ça. Mais bon, même un sniper pour 5 personnes, ça va être chaud quoi. J'avoue. Tout à fait, Heroes. J'ai pas buté un pauvre innocent, je l'ai juste aidé à sauter de mon hélicoptère, papy, t'as rien compris. Désolé, j'ai crash lors de l'action offerte. Tu es pardonné, mon fils. Quelle heure est-il? Ah bah il est 11h, c'est parfait. C'est l'heure de ma petite pause. Voilà, j'AFK, mais je vois plus le chat, mais je vois encore l'écran avec l'hélicoptère. L'hélicoptère. Je sais pas si je t'ai donné les clés par contre. Je vais crever les gars, ils me raniment. Tu m'étonnes, il a peur de ta réaction. Ça fait 15 minutes, je suis dans le coma. Le mec il tape sur le dos, il fait je le fous celui-là. Non moi je suis par terre moi, c'est tout. Ah, il porte. Ah, non, c'est devant moi. Johnny. Sur le dos de la PC. Ah c'est Johnny. Moi je suis à terre dans la pièce spéciale. Moi j'attends. Oh, c'est 220 là. Comme... Le mec qui me parle, il sait même pas pourquoi je suis arrêté en gros. Nous on a deux camions qui font de la coque. De toute façon ils m'ont pas cité de droit, donc dans tous les cas je m'en vais quoi. Je finis par crever quoi. Toi aussi tu vas crever, t'as vu, il se crase même pas. On botte les couilles quoi. Ils nous séparent tous les trois je crois. Genre... Non ils ont mis Johnny à côté de moi hein. Merci du follow, je sais pas qui, mais merci à toi. Et on m'a même pas enlevé les moins de com, rien. Ah oui c'est bon. Ouais, je crois que j'ai connu. J'aime pas assez. Ils se battent les couilles, toi. Vas-y, au moins, j'ai écrit, moi. Il va pas la cocaïne, monsieur con. Ils vont où, alors? Pour bon, moi, là, j'y vais ici. Ciao, Jules, il va au traitement de mètre numéro 3. Pour moi. Oh, zut. Ah. Non, il commence à refaire demi-tour. Ah, il va à la coquille. Dommage. Dieu, il prend ton sac, il a mon sac. Putain. Tiens, mytho. On reste 200 secondes, mais... Non, reste 200 secondes, ça rentre. J'ai mon sac. Ouais, on marche. Je crois qu'on est pas les seuls sur le coup à Garger. Y'a qui d'autre? Là y'a une voiture blanche BMW je pense. Ouais j'avais vu ça. Ah, y'a un hélico jaune comme le nôtre qui survolait tout à l'heure. Merde.
l'alcool comme tu veux, ou qu'on s'occupe de l'alcool. On s'occupe de l'alcool illégal. Si on est que deux pour 5 camtars. C'est ça, ça va être chaud. Tendu hein. Non, bah on va rester sur eux. Ah, regarde la carrette blanche, là, elle va sur la distance. Je crois qu'ils vont se faire braquer. Tu peux lancer le tirage au sort. Pendant qu'on les spot, vu que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je te laisse t'en occuper. Trouve un pseudo cool hein. Que j'ai. Je tombe pas sur un pseudo de merde. Y'a pas d'hélico, ils sont sur le coup aussi hein. Y'en a en dessous de nous. Ça doit encore cool. Merci Moret, ça tue. Allez mec, je vous invite à cliquer sur le lien de Moret. Il va le mettre plusieurs fois dans le chat pendant la soirée et puis amusez-vous. C'est le concours de la soirée avec les gitans et j'en ai marre aux commandes de l'hélicoptère. Affirmatif, la calotte de ses morts. C'est bon, je leur ai cassé les couilles, je me barre. Les mecs, ils me citent aucun droit, ils me tirent dessus, ils disent pas pourquoi ils m'ont arrêté et tout. Y'a personne qui sait pourquoi je suis arrêté et ils veulent me retirer mes équipements. Ouais, ça va alors. Je leur ai brisé les noix. Ils m'ont fait bah vas-y, barre-toi, et si tu te retournes, on te tire dessus. Ouais. Je fais, bah, jamais dit que. Bah, viens la coque alors, gros. Distite coque, y'a deux camtars. Merci du follow, Mazar. Allez, plus que 2 follow les gars, et on a fait 100 followers en une journée, en 24 heures de stream. Oh, la coque, elle a 7000 en plus, y'a du bif qui dort, hein, je te le dis. Y'a plus qu'à savoir où est-ce qu'ils vont aller. La carrette blanche, elle redémarre. L'hélico, il est où? Ah ouais, il est là, je vois. Tu te tais pas, je te mets une balle dans la tête. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Sika, Sika, prends le métro ouais. Et connecte-toi à Pyrgos. On va avoir besoin de renfort. Ouais, j'arrive. Oh le mec il. J'ai jamais vu ça. Hélico comme le nôtre, il vient de passer en dessous de nous. Astrider Mark avec un hélico à notre gauche. Ah ça sent le roussi ça. Un orca à notre droite. Ah wow. L'hélico est en train de se poser dans le champ. Ah, je vois ça. Les deux hélicos se posent. Et il y a un strider aussi. Wow, ouais. Chaud. Ah, ça sent le roussi ça. Ils vont pas s'en sortir vivants ces deux-là. Hop. Oh, le strider rentre dans la coque. Ah, ah. Les deux hélicos se sont posés. Il y a trois hélicos, il y a l'Orca, Hummingbird. Ouais. Air Strider et ça craint, on va se faire chant notre convoi là. Ah non, je crois que Strider est avec eux, je crois. Ah ouais? Bah il tourne. C'est la Disty, c'est ça? Ouais. Et il rentre pas dans la Disty, gros, nous dans l'hélico, on se pose juste pour voir quel dealer ils vont aller et on y
ira les attendre là-bas. Par où? Je crois que même leur cas c'est un arcade gendarme même. Moi j'arrive pas à voir, je le vois noir. Il y avait beaucoup de gendarmes, je sais pas comment ils sont. Ok, la carrette blanche elle a redémarré. Ouais, je la vois, elle tourne là, c'est ça, juste en dessous de nous là. Ouais, oh, ça sent roussi ça. Et le Strider il est où là? Le Strider il est à côté des deux mines blanches qui sont sur le mur. Tano. Eh bah, il redémarre. On est d'accord. Il rentre dans la distille. Menotté ou QG Kavala s'être arrêté. Ouais. Tout à fait. Le mec il fait que je vous ai pas cité droit parce que vous êtes pas encore arrêté, donc je suis là-bas. Je suis arrêté quoi. Après tu te fais pas menotter parce que t'as déposé une plate, tu vois. C'est de la logique. Ouais, voilà. Tu crois que le Strider il est avec eux hein. Parce que le Strider il fait rien. Ouais, j'avoue. Enfin, en soi, même s'ils arrivent là, ils vont voler quoi? Ils vont tout mettre dans les MH9. Oh, il y a encore un HMTT qui arrive. Oh. Bon, le Strider il va sur l'HMTT. Ils sont combien juste? Ah ouais, putain. Deux camtars. Bon, il fait rien. Ah si. Il y a trois camions à la distille de coke là. On est dessus depuis tout à l'heure. Je crois qu'il y a des copains, non? Non. Non. Non, non, on est à 1 km, on les verrait s'il y avait des copains. Okay. J'ai pas beaucoup de copains sur la route. Ah, il y a quand même carré jeune qui arrive par la route où ils sont arrivés des HMTT. Juste en dessous de nous. À notre droite. Je comprends pas pourquoi ils se méfient même pas de leur cas depuis tout à l'heure, ils envoient le slot au-dessus d'eux. Mais du coup, moi je fais quoi? Je vais pas y aller tout seul. Bah non. En fait, là on est en train de spot à quel dealer ils vont aller, et puis dès qu'on voit la route qu'ils prennent, soit ça va être Marécage ou bien Pierre Gosse, on ira directement là-bas, comme ça on se pose et on pourra faire là-bas quoi. Ouais, on finit devant. J'ai croisé un spotter donc je vais aller ailleurs. Merci à Moret et à Vexios pour votre boulot les mecs. Ils sont beaucoup. Ouais. Putain mais il y a très long de monde sur cette distille. C'est la folie. Il y a un mot qui arrive en plus. Ouais bah ouais c'est ça, c'est de ça que je parlais. Je vais aller voir les MST. Les MST ils sont juste en bas à notre droite là. J'avoue qu'il y a du people quoi. Ouais, je vais voir. C'est marqué en bas, Potiche. Tombe pseudo redesigné en mode graph. C'est comme un port salut, c'est écrit dessus. Putain, je vais en profiter pour reconfigurer mon jeu. La HMTT redémarre. Ah, la HMTT qui redémarre. Il faut dire que sur Pierre Gosse là. Hein. Bon, on peut déjà poster. On peut déjà quoi que. Enfin, non, quoi on va, que. On va attendre un peu. Marécage ça. Direction Marécage. L'Orca elle a vécu. Hein. Ouais, ils vont au Marécage. Ouais, ils vont au marécage, c'est sûr. Rendez-vous au marécage, Jameson. On va se poser directement là-bas, Grincheux. Affirmatif.
Il y a les MST, ils vont venir. Nickel. Jano ? Ils sont toujours à la distil là ? Attends, Jano, ils se démettent là, Jano. Il est trop fort. Jano, il est démute. Qu'est-ce qu'il y a ? La maison que tu m'as donnée, c'est où l'endroit ? Pierre Gosse. Attendez, monsieur, regardez à Pierre Gosse. Un point préparé. En face du. Magasin donateur. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vend des trucs de VIP là, de luxe. Et là, exactement là. Nous avons demandé en étage de réclamer $1 million non négociable signé la gendarmerie. Attends, j'ai écrit Mingard, vendu. Monsieur, vous avez... j'ai carrément donné la position GPS sur, sur votre email, monsieur. La position sur GPS, attendez, je vais vous la remettre alors. Oh, t'as pété les... Regardez, il y a une GPS. Position GPS, latitude, la météo. On fait comment, Jano? Parce que le Mingbird, je sais pas s'il vend quelque chose, hein, ça m'étonnerait. Ok, monsieur. Bah, au niveau culot, quoi. Bonne journée à vous, monsieur. On attend les HMTT, quoi. Très aimable, monsieur. Ils sont déjà posés. Toujours efficace. Juste. C'est déjà un mec, là. Faites attention à la PCA, monsieur. Ils sont très méchants. Les gars, ils sont vivants, ils sont avec nos hommes. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Très aimable. On l'a eu, dans le chef. Nickel. Il a vendu à Lumingbird. Merci monsieur le gendarme pour la porte. Merci. Je l'ai allumé, hein, moi, les MH9. Il y en a un autre au-dessus de moi. Merci, Gossio. Oh, on bombarde, mec, on envoie du lourd. Et ce monsieur-là, c'est pas le monsieur qui se transforme en gitan pour faire des rixons. Ah, des vivants. Le nerf est trop fort. Ah, il peut faire des rixons. Il y a une carotte. Oh, il y a une canotte. J'ai Johnny. Putain. Elle est ouverte. Non, on va pas voler devant eux, attends, on se fait avec nos armes. Tu vois les HMTT, Jano? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vois pas les HMTT, mais par contre, je vois les lits, quoi. Ouais, mais ça se prouve, ils nous ont essayé de récupérer l'argent, mais à mon avis, les HMTT, ouais, ils sont partis ailleurs, hein, ça se prouve. Ok, le mec, il est là. Oh putain! Je te regardais, je voyais pas la route. On va à l'héliport, on va chercher un hélico, ouais. On va rejoindre les copains. Ouais, reprenez un hélico parce qu'on sait pas où sont passés les HMTT. Ok, Falcon, t'es où? Salut Mimus, vous avez le salut du stream, les gitans. Ça fait plaisir, c'est les copains, bienvenue sur le stream. Arrête, petite Maxime dédicace Ivano. Des gitans. On est sorti du commissariat avec nos équipements. Il faut que je rachète une moyenne com. Ah ouais, merde, ils en vendent là-bas, je crois. Rob, je lui ai rob 61 000, ouais. Moi, je les ai tout. Bah, il s'est pas arrêté, ça lui a coûté cher. Tu veux un téléphone, Johnny? C'est bon, j'en ai un. T'as vu, ils m'ont pas cité. On a même pas eu de GG alors qu'on a éclaté l'hélico. Ils ont commencé à citer à toi, mais pas moi. À chaque fois, je vais couper. Putain. Merde, on est poursuivi. Il a jamais fini de parler. Mec, il a poison, bien avec deux armes et tout. De quoi? On arrive. T'as un poison? Non, j'ai pas de poison. J'ai de crochetage. Quand ils m'ont réanimé, je voulais tuer, ils m'ont mis au moins 3 patates, j'aurais pu mourir. Bah, laisse-le vivre, hein, gros, on lui a déjà pété son hélico. Ouais. S'il l'avait pas assuré, ça voulait coûter une douille. Par contre, il fallait qu'elle s'arrête. J'ai un doute que la HMTT vienne ici. Hein. On les entendrait. Bah. Attends. Pourquoi tu cours pas comme moi, comme c'est une botte? Tu peux courir en mode YOLO. Mais les mecs, plus que un follow et on en a fait ça en une journée, c'est le moment ou jamais de cliquer sur... À tous ceux qui sont sur un stream qui a pas follow là, la calotte de vos morts là, cliquez sur le bouton en bas à gauche là. Allez, cliquez, bande de pute. Cliquez, bande de salope. comme un certain Zurion dirait, la culotte de vos mères. Il est trop con ce que... La culotte de vos mères. C'est toi qui redémarre. Ouais, je viens de chercher, je vais... Mais non, c'est pas ici l'hélico. Il y a l'hélico qui revient, il y a un hélico qui revient. Je suis allé voir s'il y a des hommes, c'est un hélico blanc, c'est pas le même que tout à l'heure, et il y a personne à bord a priori. Ça
c'est un embu. T'as fait Yura. Ouais, ouais. Putain. Y'a aucun HMTT en visu. Hein. Ah, par contre, y'a un strider qui fonce sur toi. Y'a un strider qui fonce sur toi. Je me cache. Attends. J'ai pas, je trouve pas de planque. Ah, les HMTT arrivent, oh merde, les HMTT arrivent, je suis pas du tout en position. Et vous êtes, vous êtes où les gars, tu vois? On est au dealer des marais, il faut vite que vous arriviez, il y a un strider et un HMTT. Johnny, t'as un Nippelberg, toi? J'en ai plus, moi, de mes HMTT. Quoi? Nous, j'ai un Orca. J'ai vite, je pense. Partez bien que... Mais sinon, venez en véhicule, hein, parce que le HMTT est là et on... Y'a... Les MSP arrivent avec un strider et un HMG. Ah non, parce que le mien, je l'ai jeté sur la tête d'un modo pour le tuer. Il est pas mort. Merci du follow, t'es pas encore le centième. En merci fait. Du follow, mec, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, mon copain. Ça fait plaisir en une journée, gars. Non, il en reste un. Putain, encore un, mais c'est l'arnaque, ça. Ouais, c'est un peu d'arnaque, je reconnais que... Tu vois le HMTT ou pas? Le Strider est sur le champ. Le Strider est sur le champ, il est à côté de moi maintenant. Il sort. Vas-y, essaie de te remettre sur le côté. Non, je vais descendre. Non, je peux pas. Attends, tout ça. Sors, contourne-le. Ouais, il est entre toi et moi. Plutôt sur ta gauche, gros, quand t'arrives vers moi. Ok, ça marche. Et le HMTT fonce. J'arrive en HMG, personnellement. Ok, je vais vous mettre des points sur la carte. Vas-y, monte en premier. Je mets à droite. Ça va être la bagarre, ça. J'ai mis Strider là et le HMG. Moi qui se pose aussi. Il est sur moi. J'ai besoin d'aide. J'arrive. On est ultra loin. La HMTT est arrivé. Je peux vous aider, monsieur. Messieurs, vous êtes combien là? Ouh là là, c'est un beau hammer que vous avez là. Hein. Au revoir. Je viens juste vendre un peu de marijuana. Rien de bien méchant. Ah, ils sont pas copains là. Je les ai en visu, t'inquiète. Par contre, la HMTT est déjà en train de prendre. Ah non, pas du tout, nous on a juste la HMTT qui est avec nous, mon petit chou, pourquoi? Ok, pas de problème. Bonne journée, messieurs. La HMTT, elle redémarre. Vas-y, chope-le. Je sais pas si on va arriver à temps, mais en tout. Il est où? Il est là, devant toi. Je le vois là, pas, gros. Derrière toi, ouais, maintenant, devant toi. Là. Là. Arrêtez-vous tout de suite. Main sur la tête. Descendez du véhicule, main sur la tête. Monsieur, je me suis déjà fait braquer pour avoir menotté, monsieur. Parce que je vous prends votre téléphone, mon petit chou. Voilà pourquoi. Vous êtes déjà fait braquer. Les gars, venez sur le mock aussi. Ouais. Ok, ça vous dérange pas que je vérifie? Bougez pas, hein. Il est où l'argent que vous avez mis dans vos poches? Ah, pas de soucis. Dans ma bandoulière. D'accord, voilà. Hop. Aïe, c'est mal. Je te laisse tout seul, hein, je vais sur le mock. J'ai gagné deux, j'ai pris la moitié, j'ai gagné 300 000 pile poil. Il se fout de ma gueule ou quoi? Il se fout de ta gueule en plus, hein. Vous êtes pas un peu occupé de me foutre de ma gueule, mon petit chou? Je me suis déjà fait braquer, monsieur. Ah mais c'est bizarre parce que vous avez quand même beaucoup d'argent sur vous pour quelqu'un qui s'est déjà fait braquer. Ils m'ont pas pris la moitié, j'en avais 118, je sais pas si j'en avais 23 sur moi et il m'en restait 63. Donc, victime. Bon, mon petit chou, voilà ce qu'on va faire, on va s'entendre, étant donné qu'ils n'ont pas pris tout à fait la moitié, et que moi, vous savez, je suis un gangster, hein, je vis que pour m'en mettre plein les fouilles, regardez comment je vais m'acheter mon petit Polo Ralph Lauren, sinon. Ah, c'est pas cher, monsieur. Vous avez beaucoup d'argent, je suis sûr. Ah ben non, pas trop, justement, c'est un peu la dèche en ce moment. On peut peut-être s'arranger, je prends une partie, je vous rends l'autre. Je vous prends 150 000 sur les 300 000 que j'ai pris. Un peu chier, quoi. Ah oui, je suis désolé, hein, mais... J'ai déjà fait braquer, puis je me fais braquer une deuxième fois. C'est juste qu'ils ont mal fait leur boulot, c'est pas de ma faute. Ah bah écoutez, j'étais plutôt gentil, et compte tenu que je pourrais prendre ce magnifique tas de ferraille. Moi, j'adore la ferraille, vous savez.
J'adore ça, ça m'excite la ferraille. Bref, on va pas vous garder plus longtemps, vous avez l'air un petit peu stressé. Si jamais vous revenez, par contre, on vous met une tête, vous entendez? Là, c'est mes amis. Voilà, donc ne revenez pas, hein. Mais trop d'hélico là, moi je vais sortir l'armure. Ça dit quoi? Pourquoi ça tire? Je croise tout le temps quoi. Pourquoi ça tire? C'est un prix, mec, plus écho qui décolle. Pourquoi ça tire? J'en ai marre. Ils ont braqué de Mohawk et ils ont rien sur eux du coup. Attends, les mecs qui tirent. Apparemment c'est pas eux qui tirent. Non, c'est pas eux qui tirent. Ça venait plus de la droite. Non, ça tire sur la droite là. C'est pas les MST. Vous avez braqué les Ivana? On a braqué tout le monde, mec. On arrive en mode héros sur la zone. On a fait un carnage. Bon, j'ai 150 000 Jeannot, on se barre. On est des professionnels. Le HMTT est pas parti par contre. Contrôle le mouvement. Et bientôt là, parce que ça tire au lax. Ouais, je sais, j'ai entendu. Ouais. Une position à peu près? Leader de marais. C'est pas safe. Si, presque. Non, mais du lax à peu près. C'est vers la distille. Non, c'est vers l'ouest. Jean, t'as un bandage, c'est quoi? Affirmative, viens sur moi. C'est 5 minutes que je sais. Viens à l'hélico de l'arche, on va voir décoller. Je viens vous chercher, bougez pas. La chemette, vous avez eu des sous? Alors, mon chou, on m'attend pas? Il fait des lignes, quoi. Attends, bah attends, il est là. Te fous, il va mettre 2 ans à arriver. Non, il est là. Ah, mais je veux dire, si je peux lui éviter de marcher, bougez pas, je vous écrase, attention. Oh, le rotor. Ah bah voilà, j'en étais sûr qu'il y en a un qui allait se taper le rotor, c'était obligé. Ah, il y en a un qui... s'est fait scalper la tête, là. Y'en a un qui s'est fait scalper. Ah putain, ouais, bah c'est Johnson. Tiens, grincheux. De quoi? Il s'est fait me couper la tête, quoi. Et du coup, tu vois quelque chose dans les marais? T'as reçu, grincheux? Ouais, j'ai reçu. Pourquoi il est où ton hélico? Moi je le vois là. Derrière nous. Lol, moi je le voyais dans les buissons derrière. Ah, mais t'es vivant toi? Vas-y, monte un peu dans mon hélico parce que t'es passé dans le rotor et tu l'as. T'as plus de tête. Il y a un strider, le gars ici là. Mais le repas arrière, il est cassé. Bah oui, je t'ai dit. En dessous de nous, il y a un strider, ce sera pas lui qui vous tire dessus? Si, possible. Mais les striders, ils m'ont jeté coucou, ils m'ont rien fait. Eux aussi, vous les braquez. Attendez, tu le vois là? Il est où? Ce sera après la pub où elle gagne en fait. Oui, il descend. Ils vont nous tirer dessus. Ils sont où? À droite. Tu vois? Putain, je suis aveugle là. Putain, mais. Comment tu t'es pris de retard? Non, moi ton hélico, je le vois dans les bambous. Je vais faire une 5 data. Attention, il descend, on en dit un gars en kill. J'allume. Ah, bah là c'est bon. Montez du même côté par contre, montez pas en copilote. Non, il nous a pas encore tiré dessus, il allait nous tirer dessus. Je sais pas, il m'a l'air d'être hostile. Moi aussi, tout à l'heure, je pensais qu'ils étaient hostiles, mais ils m'ont juste demandé si le Mohawk était avec nous. On a braqué le. Merde, j'ai perdu du temps sur ma manœuvre. T'as braqué tout ce qui bougeait, ouais. Bah ouais, 90%, décolle pas, grand-chose. Non, je décolle pas, bah de toute façon, j'ai qu'un rotor, mais je démarre déjà les. Enfin, c'est là qu'on va voir si t'es un pilote ou pas. Je suis un pilote, mec. Ah, c'est bon, les gars. Moi j'ai plus rien à prouver, moi j'ai déjà tout prouvé. Oh, un rotor. À chaque fois que j'ai dit. La bagarre, Nana. C'est bon, y'a pas de bagarre, on se fera avec la thune. Ok, bah rendez-vous à la TM. Ah bah si, le Strider il est hostile. C'est la HMG qui tire depuis tout à l'heure. Il est où? Derrière nous. Il va direct sur Pierre Gosse. Vas-y, on se le fait, On laisse pas les copains comme ça. Là, il y a nos 11h. Là, il y a un HMTT qui se barre là en plus. Ah, mais non, ça doit être l'autre. Là-bas, à côté de la HMTT. Ouais, je le vois. Mais quoi, ils nous ont tiré dessus là? On se barre, on va se faire allumer. Mais moi, j'ai full tue, les copains donc. Tant qu'on n'a pas la vue sur lui, c'est rien. Bah il est juste devant là. Devant les copains? Notre hélico. Il veut braquer le camtar, je crois. Le mec il va se faire braquer 10 fois. Bah vu Johnny.
Putain, mais on va descendre, on va lui dire que non. Il est où? Ah, mais vous avez tiré là par contre. Je fais les sommets. Faut calmer là. Il est en dessous de nous, en bas, à droite, regarde. Nous à droite. À droite, juste à droite de l'hélico. Je vois. Il veut tout casser les couilles. Je sais pas, tu es au stade. Le chou. Le stade. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Attends pas ce qu'il dit. Tu sais, il laisse tranquille, non? Je crois qu'il se barre, Regarde la chaîne TT, il y a un. Ah, il est remonté, là, c'est bon, il est obligé, c'est bon. Non. Ah c'était ses mains alors de rien. Vous avez récupéré combien en tout là? Là j'ai récupéré 200 000 là, les gars. T'as qui là? T'as où là? On l'accompagne gentiment jusqu'à la zone. On se rejoint à quel ATM du coup? N'importe. Bah, je sais pas, vous êtes tous dans le même hélico? Ouais. Bah, c'est bon. Il a fait demi-tour. Il a refait demi-tour à Grasha. Qui ça? Bah Strider. Ah l'enfoiré. Comment ça me casser les couilles là, Grasha? Qui ça? Strider. Oh la T5. Le Strider? Faut qu'il l'enlève, le Strider. Ah moi Strider, aussi les Strider, ça me rend dingue, ouais, c'est un truc que je déteste ça. Bon, avant quand j'étais rebelle, je me disais non, faut pas l'enlever, t'es fou, c'est la vie du bon, coup. Au pire si. Attends, je suis passé gangster que je joue. Voilà, bah ok, vous avez le droit de shooter là, c'est bon. Shooter ses roues, hein, si vous savez. Exploser, mais... Il est vénère, mec. Attention, il va nous tirer dessus. Reste, ouais, t'inquiète, je vais me mettre au-dessus, il sera pas nous tirer dessus, vous non plus. Oh, voilà. Il est dead. C'est fast, un tir frotte. Il y a un deuxième. FRF9, là. C'est à nous. Il est derrière, Tony. On va ses pieds, je sais pas s'il est mort. Il est bien capot, c'est bon, il est mort. Je peux pas tirer là. Je sais, bah de toute façon mec il y a un HMG et nos copains. Voilà, fais gaffe, il y a des coups en dessous de nous. Où ça? En dessous de nous? C'est Johnny. Bon c'est sécurisé la zone, c'est sécurisé. Ok. Bon bah voilà. Tout beau, tout propre. Ouais, nickel quoi. Pas net de perte, net et sans bavure. J'adore quand ça se passe comme ça. Nous on est venus de Kavala les gars, on s'échappe des flics. Hein. Bon du coup on fait quoi? Argent, safe, on va où? N'importe, tu veux. Stop pilote. On va aller. Ah bah je sais, on va aller à l'airfield magasin d'hélico à 2,5 km Pyrgos. Affirmatif, mais il y a surtout tous les camions à l'alcool illégal qui m'intéressaient. Ah bon bah oui, mais j'ai de la thune. Ah go je mets un point, moi, Tony, on voit. Des séries d'alcool, c'est ça? Non, ils sont vendeurs là, à mon avis, ils sont déjà même partis, tu sais. Acheteur d'alcool illégal. Ouais. Qui a pas de thune dans votre gang? Enfin, je mets dans le gang, ça vous va? Parce que moi, je m'en fous en soi des 200 000. Ouais, prends 100 000 pour toi et. Non, 100 000. En fait, nous, on met dans le gang. Plus tard, on pense acheter un truc de gang, un hangar. Et on donne à ceux qui sont pas de thune pour l'illégal. Ah, la CMTT là à gauche? C'est celui de tout à l'heure, à mon avis. Pour aider les plus démunis de chez nous. Il serait déjà là? D'office, mec. Ouais, il était à côté. Hein. Le pauvre, il a dû se faire braquer 4 fois, quoi. Qui? Ah, mais en soi, en gangster, tu peux tout voler sa cargaison? Non, c'est que ça commence. Il y avait un truc quand même avec ça, non? Avant? Ah, c'était avant. Ouais, pourtant je les ai relus, mais peut-être que je confonds encore. 206 000. Bon, je garde 700$ pour moi si ça vous emmerde pas. Ah, ça sera pour la turlute que tu me dois. Vicieux. Merci du follow, merci des follow les mecs, on est à 102 avant minuit, c'est voilà, nickel. Bien vu, Moret. Attends, t'as mis dans le gang. Non, ce sera Moret qui fait le tirage au sort. Et on a eu 1311 participations, merci à vous les mecs. Le tirage au sort, je vous propose qu'on le fasse. Ouais, sorry. Socrate qui est connecté en civil, le salon. Je vous fais ça après minuit et comme ça, bah, vous êtes obligé de rester jusque là. Je donnerai la réponse et ce sera affiché demain sur les annonces, ça va. Voilà, merci à tous. Par contre, j'ai pas déposé l'argent. Et alors, j'espère vous retrouver nombreux pour le tirage au sort d'après minuit, les mecs. Avec Moret et tous les autres. J'ai un raisin.
calotte de ses morts celle-là, je le dis moi. Il y a personne ici. Ouais, ils sont déjà partis depuis longtemps, hein. Vous pouvez trouver autre chose à faire, tu sais. Bon, acheter un illégal, y'a rien. Ah, ça me tente pas. D5. Oh. Moi, je D5. Faites une 5 data. Bon, en fait, ça faisait des rollbacks. Parce que moi, j'en ai fait plusieurs, là. Je vais faire un tour du lard par-dessus. Vous gagnez une grosse turlute. Ça c'est ça qui est bon. Si si, justement je stream après minuit et on donnera la réponse à ce moment là. Jérémy, t'as rien compris toi. Y'a quoi à gagner? Y'a un dessin. Un dessin en gros de votre dessin. Un dessin de votre pseudo quoi, en mode graphe, tu vois, en mode feu gras, en mode femme. Design. Oh, je voulais femme nue moi. Ouais, en mode grinché quoi. En mode grinché mec. Pas la frontière, non? Pas la personne. T'as plus du tout le chargeur, Jameson? Mais non, pas dans 3 heures avec ça, c'est non, juste à bout. T'as envie de dire qu'il y a une action qui s'est tendue. Stalkraft, il est en perme rebelle? Non, il est en civil. Ah mais il est quand même dans votre gang. Ouais. Ouais mais il fait pas d'action avec nous. C'est la première fois que je le vois en civil. Ouais. Non hier il est venu et tu l'as frappé. Ah oui mais non, c'est moi qui l'ai frappé tout à l'heure. C'est toi qui l'as frappé. Des boobies, des nimples ce mec. Ouais salut Starcraft, hein. Ça te dirait pas de tapoter le rectum? Et c'est une boulette. Tu tapotes le rectum. Bon, bah vas-y quoi, vas-y pour moi ça quoi, tu peux y aller. Je sais pas très bien où aller. Dealer tortue, y'a rien les gars. Bon, tous en micro, devant nous. Sur le truc de Ross. Parfait, il va faire un rush avant minuit, il faut trouver un truc. Un rush? Bah, une attaque de cavala. Non, 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 il veut trouver une cible. Ça sert à rien, attaque de cavala, t'as aucun but. Non, non, c'est ça. De Kovolo, on... Si, tu peux demander du whisky. Moi et Bob, c'est ce qu'on fait pour les attaques de cavale, on demande du whisky. Bah, go prendre la frontière. Ah ouais, frontière, c'est vrai. Allez, c'est parti. On a le droit de prendre des HMG, là, pour les attaques de frontière, hein. Ouais, bien sûr. Il y a pas de règles sur... Non. Il y a des règles sur les captures de zone, et elles sont très sensiblement liées à celles de la frontière, mais la frontière, il y aura quelques exceptions, normalement. Mais la frontière, faudrait que les gangsters puissent la prendre. Maintenant. Bah ouais, je reconnais que la frontière pour moi les gangsters ouais, devraient pouvoir la prendre aussi. C'est pas vraiment une zone en soi. C'est ça, bah c'est pas une zone, sinon il y aurait un rond rouge. C'est pas censé être du Westland quoi. C'est la route de la prendre quoi. Bah du coup, là je vous donne l'autorisation de toute façon et vu que vous êtes un peu un des premiers groupes gangsters, comme c'est ce que j'ai dit en modération tout à l'heure, et que vous avez quand même beaucoup apporté parce que maintenant il y a énormément de gangsters. On vous écoute un peu plus vous au niveau des améliorations et tout, et entre autres la revente de voitures, c'est une très très bonne idée pour rendre le gameplay encore mieux je trouve. Ça, plus la capture de zone frontière, c'est un autre bon exemple, c'est le genre de truc que je peux aller mettre direct sur le feedback. Ça manque de caravane, on a beau proposer mais quoi, ça faut pas faire la contestation. Si, ça passe les mecs, mais vous rendez pas compte, franchement vous... Caravane. Dans la c'est où la contestation maintenant là? C'est la cabine de droite, je pense. La cabine la plus à droite. Non, mais on peut pas, on a pas l'action en fait. Attendez. Si, attends, je vais regarder. Tu vois qu'est-ce que je vois à gauche? J'ai déjà tenté, tu fais menu, t'as rien. Non. Cabine de droite. Mais qui va se passer avec les légales, je crois. En même temps, on tient la frontière alors qu'il y a un gros trou dedans quoi. J'ai toujours trouvé ça très con. Arrête de combiner là. Appelle ta putain de famille, scalez ta mes couilles là. Scalez ta caca là. Appelle lui là, tout de suite. Scalez de vos morts. Appelle-moi ta putain de. Et les deux gitans derrière, vous avez pas de quoi revendre la bagnole ici? J'ai trouvé une super carrette avec plein de ferraille. Sauf ça. Faut la frigner. Bah elle est un peu capoute. Elle s'est litro ou pas? Ouais. Ah, peut litroyer là. Ouais, ça va être fun ça. Ah ouais, ça on peut. Ouais, ça on vend ça. Gaufrini, garage véhiculaire. Ah, il faut bouger le zoo. Ouais, je vais bouger l'hélicoptère. Tu je vois encore croche. Toi, l'hélico, Johnny? Oui, il est parti. Je croche, je bouge mon truc. T'as rien à mettre là?
T'inquiète, pas besoin de projeter. Non, non, attends, je vais mettre au garage. Attends, laisse-le là, laisse-le là, je vais le ranger, je vais le ranger. J'arrive. User joined your channel. Vous faites quoi? Vous faites quoi, mec? Bah oui, quoi? On va aller vendre une carrette. Hein. Oh, je sors le Mowak. Putain, tout le monde a le Mowak marine. On a chassé un peu partout, on a rien vu, nous on revient. Ok, parfait, nickel. T'as pas vu de lapin? J'ai vu Jeannot. Ah ouais? Jeannot le lapin. Oh, 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 oh. Oh la putain. Il y avait une petite queue et deux grandes oreilles. Oh ça c'est tout bien ça. Ça c'est très craché ça. Une petite queue en forme de pompon. Oh, il y a trop d'hélicoptères. Ça donne envie ça. Et tu veux je peux faire un instant. Bah vas-y, fais le code hein, Johnny, tu restes en rebelle, tu fais le code et y'a aucun souci. Moi je suis chaud, je l'ai pas encore vu le code en plus. C'est pas toi qui fais, c'est moi donc. Vas-y, tu fais plein de bruit avec ton hélicoptère. Maintenant j'ai plus que sur votre position les gars. J'arrive à la frontière. Faites votre boulot vite fait si vous êtes par là. On peut pas aller plus vite que ça mec. On est une équipe rodée là. Hop, il manque plus qu'à monter dedans et puis on va aller voir ça. On sera parti même avant qu'ils arrivent, on est des vrais gitans, on passe inaperçu mec. Vieux fer, vieille machine à laver. Ils sont en train de faire ses lacets côté conducteur, c'est hop. Allez, on y va. C'est bon, tu peux décoller. Un jeu, c'est quoi comme hélico qu'on peut faire spawn sans se faire kick? Non, non, c'est pas un hélico que tu fais spawn, c'est un avion, gros. Ouais, mais c'est lequel? C'est le Wipeout. Ouais, mais pète-nous pas. Non. Ah, c'est un gitan comme ça, c'est une bonne idée. Ah si si, tu dégommes même les gitans, hein. Ça par contre, que tu sois avec les gitans ou pas, tu dégommes tout le monde. Moi je m'en fous en fait, c'est ton hélico. Ah non, c'est pas le mien là, mais... Non mais moi j'ai l'hélico à Johnny. Allez, voilà, petit code... Frini. Non. Allez, Frini. Non, ça c'est un petit code armée de l'air, je parie, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Ah, ça gère. Pouf. Oh merde. Breaking news, l'armée de l'air a pris son envol sur l'île d'Altis. Je répète, l'armée de l'air a pris son vol sur l'Altis. Ouais, enfin, attends, il a... Hélicoptère il a bif à faire avant. Il a pas encore décollé, de toute façon. Il y a rien qui se crache. Tu sais, tant qu'il décolle, on aura bien vendu le carrette. Hein. Ah bah oui. T'es en train de décoller, là. T'es en train de décoller. Ah bah, il va venir sur nous, mon cul. La calotte de ses morts, tu vas voir. Bon vas-y, moi tu mets un missile, je vais tourner les coups. Je protège mes copains, moi. Je saute dans le missile. Ok, envoyez un message à Kizak, il est avec son Stinger. Hein. Ah ouais, il y a Jack O'Neill aussi qui va te balancer du Stinger dans la face. Lui, c'est un professionnel du Stinger. Oui, si. Gitan. Putain, les mecs, mais je sens que je vais venir jouer un peu trop souvent avec vous. Je vais devenir accro à votre gitanerie. Pouah, c'était quoi cet arrêt là? Quoi? Non, c'était beau, j'avais jamais vu personne arrêter un Mowak comme ça, pas mal. Il a plus que deux roues en plus la caisse, il va pas nous faire un bon prix cet enculé devant. Vous avez d'autres personnes à proximité? Je cours. Ah voilà. Ouais, 6 500 $. Po. Et grâce à nous, les mecs ont vite la base de données. Ah ouais, mais. Ouais. Je me pose à. Oh bah t'as plus. Ça sert à comprendre des hélicos, ça sert de monter par Johnny. Ouais, t'as plutôt intérêt à atterrir. Merci de follow, Rich. Quoi? C'est qu'il vient sur moi. Je rigole pas, je démonte tout le monde. Ah ouais, bah oui, mais tu démontes tout le monde. Moi je fais pareil avec la LSD, hein. J'ai failli dégommer Sapin l'autre fois. Je l'ai raté deux fois quoi. Mais si je suis un hélico, je suis pas en laser hein. Si je suis. Non, si t'es au sol, y'a pas de soucis, c'est tout ce qui est en l'air. Tu peux venir avec ta petite quéquette. Je suis posé trop tard.
le fond de Mais je suis tel une voiture là, non? Ouais. Tu veux croire que je suis une carrette ou quoi, les gars? Il y a un traître dans l'équipe. Ah, le fond de Gitano a donné une amende là, c'est quoi? Oh, le coup de quoi ça? Oh, mais du coup, le rotor il a touché. Il y avait 40 piles pour moi, j'ai mis le Je peux mettre le. C'est pas mon hélico, hein. Je le laisse là, on va pas le voler. Attends, je vais le mettre au garage, je vais le mettre en foie. Non, non, les gars, c'est l'hélico. Et pourquoi Johnny, quelqu'un, on laisse son step et il s'envole avec. Tu veux que je mette du C4 dessus? Non, oh, t'as qu'à faire. Je veux que tu prends l'hélico et tu fonces dans l'avion de chasse de l'autre. D'accord. C'est à la suite de ton plein gré, t'as fait ça. Eh hey Johnny, viens à Frigny. Tu vas sur un mec. Yana, t'es dans le coma? Non. Ah merde, je te voyais là-bas. Je garde. Il me tire dessus en plus, c'est la capture de zone. Attends, je vais envoyer des bombes. Mais non, non, ça tu peux pas. Enfin, quoi que si, en fait. Eh, j'ai ton hélico, Johnny, hein. Tu m'éclates quand tu veux. Yana. Faites la gueule. Quoi? Je te vois, tu bouges, t'as allongé. Arrête. Attends, je vais filmer, c'est plus. Je filme. Pour moi, t'es allongé, tu. T'avances en. Ah non, c'est bon, je suis comme par hasard, bon, je lance. Parce que j'ai sauté. Bah, bâtard, tu m'as mis à. C'est qui le pilote qui. Quand il m'a volé, c'était qui? C'est encore toi, ça, avant qu'une nana. Alors, enfoiré, ce mec-là, je te jure. Bon, on fait quoi? On va voler des carrettes? On va trouver de la ferraille? Bah, là, il y a un peu 50 quoi. Bah, ah, on va ouais. Des carrettes après. Vas-y, Johnny, viens sur moi, Johnny. On va se marrer un peu. Là. En plus, là, c'est vrai, je vais donner un hélico flingué. Bah, non, mais regarde, tu veux que je me stabilise? Hop! Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah non, ça tourne à corps! Ah, mais on me tire dessus là! Ouais, ça me tire dessus là, j'entends bien! Bon, Johnny, t'es où? Parce que je commence à avoir la tête qui tourne. C'est qui là? T'es où? Frigny. Bah, là, je crois que c'est fini. Tu veux que je foute à Frigny? Ah, vas-y, viens me dégommer l'hélico à Frigny. L'hélico, ah ouais, on a le droit de se défendre contre l'avion, hein, bien sûr. Faut arrêter de faire les gars, tu vas se prendre un missile. Oh, oh putain, j'ai cru que t'allais le tuer. Pourquoi j'ai tué le capot? Oh putain, c'est moi qui tire, là. Et qui va vous défendre, redonne. Putain, c'est... Tu crois comme arme que t'as? Je suis mort. Moi je suis mort. C'est une MK18. Oh. Ouais, la MK18. Bon, dire. Johnny, t'es plutôt lent hein, pour tirer sur des gens. Oui, mon pote. Mais la musique triste au moins, Jameson. Allez, on va prendre un peu de vitesse. Apparemment, je serai plus stable. J'arrive pas à en prendre parce que ça tourne tellement. Putain, je commence à en avoir plein de cul là-dessus. Oh, le blanc, le blanc. Ah bah je vais me cracher là. Oh, oh putain. Putain l'enculé. Pas sorti, je peux tirer Johnny. Il me connaît le groupe. Quoi cette musique là? Je sais pas. C'est trop fort. Il y a carbone derrière ce mec. Il sera prêt. Mets-le pas en groupe. C'est violent en groupe. Ah voilà, là c'est mieux. Bon et quoi l'avion là? Tu vas attendre le reboot pour m'éclater? Ah bah il m'a loupé quoi, il est un peu mauvais le mec. Bah il a plutôt essayé de nous viser ouais. Faire un tirer. Bah il est trop haut pour nous. T'as de la chance que j'ai pas de stridage dans la mer. Il va se cracher sur nous là. Ah putain. Courez les gars. Bah pourquoi t'essaies pas de choper l'hélico? Oh, je suis touché. Oh, il est pas touché, je suis touché. Il m'a touché quoi. Vas-y Jenny, je suis sur ta droite, tu peux pas me louper. Il tire aussi. Voulez-vous prendre des bombes? Non, chope-moi Johnny. Chope-moi. Je suis le petit hélicoptère qui part là. Il m'a baisé ma jambe droite. Ah bah j'ai rien fait, c'est pas moi. On a pris la frontière mais il n'y avait pas grand monde. Pas le crâne, c'est quoi? J'espère que tu vas tirer d'un pour votre bavure judiciaire. J'ai des coups à gauche.
Attends, on m'arrête. Bon, bien sûr, j'ai cassé les couilles. Non, non, mais je parle d'Atomix. Ah ouais. J'ai arrêté. Moi, j'ai surrender mentalement. Les gars, il y a un petit bunker, il y a moins de se cacher là. Là, tout le monde, ils savent pas pourquoi ils m'arrêtent. C'est normal, Evan il t'a tiré dessus comme ça. À côté, à côté. T'as pas des bombes plutôt? Qui me tire pas dessus comme ça? Balance-moi une AA quoi. T'es pas dans ce truc. Ah, c'était pas loin ça, ça claquait, ça claquait. Après, je suis menotté au QG, tu me dis non, mais vous êtes pas arrêté. Ah, rotor, plus de rotor. Bizarre quand même. Finis-moi, finis-moi. Et je vais encore réussir à me poser, regarde-moi ça. Tout ça, tout en douceur. C'est impossible d'avoir un avion de chasse avec une mitraillette. Regarde-moi ça, comment je me suis posé. Ils ont réussi à prendre. Hop là. Si, si, si tu sais l'avoir, l'avion de chasse, il faut juste 3-4 roquettes. Non, mais avec une... avec, avec une AKM. Enfin... du Rasbot. T'es le pilote ou pas? Je sais pas. Je pense pas. C'était Jidan le pilote. On s'en fout, c'est Gaulois, monsieur. Vous avez vu? Avec des avions tout ça, tout ça, ah, tout ça parce que oh, monsieur il est en train de décoller. J'ai siphonné son kérosène. Ah, du coup il veut se venger, monsieur. Voilà. Il meurt pas quoi. Regardez, il est juste là, vous voyez. Et merci de la donation d'Alton Bob. Merci Alton Bob, ça fait plaisir mec. Putain, mais il arrête pas de me donner des sous hein. Coûte 2€ mais c'est un don. 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 C'est des guides. C'est dédicat au mec qui a fait le nom. C'est Dalton, Dalton Bob. Encore Dalton. Dalton. Moi je suis un peu tordu les gars, vous pouvez pas? User was moved to your channel. Si tu m'as tué. Retour sur zone, retour ça sur pas, zone. Ça va pas, Blitz. Il est pas mort. Wow, wow, ça pue, ça, ça, pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. C'est bon, il va se cracher, il va se cracher, c'est touché. Je l'ai touché, regardez, il fume. Bon, ça, c'est, je crois que c'est Grinchou qui s'est accroché à l'arrière. Oh, oh, oh. Mais j'ai pas envie de vous tirer dessus s'il y a des mecs à freiner. Non, vas-y, viens. Personne. Personne. Me cache. Moi je suis un gitan, moi je peux pas. Faut que tu te dépêches, Filippo. Il est quelle heure? Filippo, Filippo. Il est quelle heure? J'arrive pas à prendre la charge. C'est pas une machine en ferraille qui va me faire peur. Une machine en ferraille. Je vais vous envoyer les GBU. Mais j'arrive pas à prendre des roquettes en fait. Sinon je l'aurais déjà dégommé ce petit bâtard. Car un coup de snipe c'est gratuit. Putain, il vous a explosé. Non, moi j'ai survécu, je suis un gitan, je suis un... Tu m'as explosé aussi. Hein. Comment? Ah, il est mort. Ah, il est décédé. On l'a eu. Vas-y, vas-y. Je suis à l'entrée du camp, les mecs, je me suis éjecté. Tu es mort comment? Je suis en good mode et je suis mort, c'est super ça. Ouais, ça arrive souvent. Je crois que ça fait un petit genre de moi. Ah, j'ai vu dans RP Magazine que c'était pas très RP ça. Hein. Ouais, qu'il y a un peu de moi dans le coin. Il dit quoi le gars? Il y a un quoi? Il a dit quoi, mon cher Gadio? Non, monsieur. J'arrive pas à te réanimer, Jameson. Oh, je suis pas. Je vais devoir t'exécuter. Bah, c'est normal, c'est reboot. Ah ouais.
Pas mal, pas mal. Bien vu, bien vu, bien vu. Bon, quoi de prévu après le reboot, les gitons? Je sais pas. Non, moi j'arrête. Je vais me chercher un verre à boire. Tram, mais sans faire. D'abord relancer le serveur, c'est sûr que je vais pas avoir de place. La même. Non, mais non. J'ai quitté le serveur, je suis revenu, il y avait de la place. Ouais, mais non, mais là ils sont partis sur manger les gens, je les connais. J'ai des petits fripons. C'est sûr. Mais je les connais juste pas RP. Non, l'avion a pas le droit de faire ça de base, mais c'est parce qu'on était sur zone et qu'il y avait personne d'autre. Ouais, on va aller récupérer de la ferraille, ça c'est sûr. De toute façon. Une bonne ferraille, pour Radio. Je regarde mon stream. À l'aise, je oublie pas de faire ton boulot de modérateur aussi. Je peux pas, je suis sur mon portable. Ah. Du coup, je vous ai pété ou pas? Ouais, tu nous as détruit la gueule, elles étaient nickel bien mises. Y'a que Nanar qui est resté vivant. Tu m'as eu jambe droite, je me suis soigné, bras droit, mais jamais. C'est un gitan, j'absorbe. Trop de puissance. Mais gitan, il joue bien RP, on aime la ferraille. Bien vu, Yacine. Earth, salut à Glit, salut à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça vient de commencer, vous n'avez absolument rien loupé. Et il y aura juste le tir au jeu sort de Moray quand il est chaud, quand il est bouillant. Il vous donnera la réponse. Ouais, Frini, les mecs. Ouais. J'ai juste mon launcher qui est. Okay. Tu lags aussi comme une puce. Un G. Ah, Stolier est là ou pas? Ouais. Il est FK, je crois. Ah putain. Il est parti couler à Mamadou à la frontière. Il revient dans 10 minutes. Je suis à blague à 2 balles. User left your channel. C'est bon, Stalkraft, tu peux te démute. C'est bon. Tu vas dire d'un coup, tu vois, je suis là, bonhomme pute, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, désolé le stream, petit problème de co. Il teste ma connexion, donc je sais pas si ce sera stable ce soir, j'espère, honnêtement. Je trouve Lillois qui me rend ma pipette et ma poche de sang. Bah ouais, dérange pas Lillois pour ça, je vais te la rendre. Quand on combat, ça sert. Putain, mais... on m'envoie un message, à vous, t'es là, bitch. Pourquoi ce panneau est bleu? C'est un mec qui est dans le channel. Demandez, bah, merci, après, follow toi, Nova. On est quoi? T'es parti bronze. De quoi? J'ai rien compris. Il y a Thomas qui est venu dans le channel demander après quoi. Manard. Ouais. On fait pareil qu'hier. Ah ouais. La culotte de sa mère. Ah ouais, il est là. Ça, j'ai kiffé hier. Ah bah vas-y, on le refait. Vas-y, go. Vous faites quoi? Ah merde, il y a Grincheux là. Merde. Sympa. Merde, il y a un modo. Il y a un modo. Faut faire gaffe à ce qu'on fait, Nanar. Bah on a le droit, on est trop bien. Ah oui, pick-up. Vas-y go, moi c'est bon, je suis prêt moi. Allez, je suis en train de me connecter, je vais chercher à boire, j'arrive. Vas-y, on va vraiment braquer. Ouais, pareil, je cherche à boire, j'ai des troubles là, je vais bientôt mourir. Pareil. Je suis à zéro dos là, c'est la merde. Nanar, je suis parti chercher à boire. Il y a Elim Kani qui me dit sur TS, énorme de dire aux gendarmes je suis en train de braquer mais il y a des tirs là-bas. Pourquoi il dit ça? Encore un coup de Nanar ça. Hey Grinceux. Ouais. Là j'ai SRS 3 toi ou pas? Ouais mais pas sur SPCC malheureusement parce que je faisais 2 Go, j'avais la flemme de télécharger. Ouais. Nanar. Ouais. Nanar. Qu'est-ce que t'as fait à Elim? À qui? Elim. Je lui ai rien fait. Il me dit sur TS énorme de dire aux gendarmes, je suis en train de braquer mais il y a des tirs là-bas. Ah ouais, non, c'est quand tout à l'heure on faisait le braquage au roller de fer et puis je sais pas, il y a des mecs qui me tirent dessus, je sais pas pourquoi. J'ai dit bah allez, les méchants, nous on est en braque. C'est quelle casquette dont tu parlais, Nanar? C'est juste un simple braquage.
de la pure vérité. Ah mais ça marche pas avec celui-là. Nanar, c'était quoi comme casquette que tu parlais qui faisait gives après toi? Quoi? Ouais. Là, le verre rose. Ça, c'était vraiment genre chez un français. Celui-là? J'en ai un bleu. Oh, il est vert. Ah. La rose, tu vas te le passer. Celui-là? C'est rouge, ça. Ouais, c'est le note, il est rose. On a... non. Ouais. Non, ça a béré le t'es toujours à terre, à chaque fois je tombe. Je t'en ramène un? Bah j'en ai encore dans le bras, si tu veux je t'en ramène un. Mais non, mais je dois l'avoir d'office ici, vous l'avez. C'est Jiten qui me l'avait offert. Non, c'était Wolf. C'était Wolf. Pour la tenue Titan. Ouais, vous mais non, moi c'était... C'est lui qui nous a fait... Bah la birotte, c'est lui qui nous a fait. Ouais. Et je le passe. Ah là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, ouais, si, ouais. Oh putain, les gâteaux, ça me sent moi. Ça me sent moi. Mais y'a un arc qui vient là. Ah, mais là, je sais pas, là, j'ai masse de stuff. J'ai une pure dégaine. La dégaine. Énorme. Coucou les gitanos. Ça vous dirait pas qu'on aille se faire une future lutte de ouf ou quoi? Regardez, matez-moi ces petites sandales là. Oh, tu dégages avec ton hélicoptère là. Coucou gitan. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Mais non, tout va bien mon petit chou, faut pas avoir peur. On aurait voulu le faire exprès que ça aurait pas été possible quoi. Oh, oui. Il a détruit la tombe à Mirabel. Oh, il a... Si le gagnant il est pas sur ton stream, on refait ou pas? Ouf. Je reste pas, quoi. Ouais. Ah c'est Ping Yang. Pas l'enjeu. On refait. Je sais pas, fait comme vous le sentez, je sais pas trop. Ouais, si les boss en le stream, ça rien. Il y en a un qui est sur la tête. Il se rend. Trop de puissance. T'es sûr qu'il y en a qui sont morts, Nana? Oui, oui, il y en a 3 qui sont morts. Putain, mais gardez-moi ce troll quoi. Y'a Orgo Ivanov qui est dans le coma. Moi je vois pas dans de troll chez vous. Attends, ils sont où aussi ceux qui sont morts là? Bah attends, je vais te donner les pseudos. Non mais mort hein. Eux qui sont en coma, ça compte pas. C'est qui est dans le coma? Dites-moi les pseudos qui sont dans le coma. Alors y'a Orcho Ivanov qui a été tué, Marco. Jordan Bogos qui a été tué. Et c'est tout, et il y a Dorso Ivanov qui est dans le coma. Ok, je le reste. On va vous réanimer, monsieur. En fait, la télico, il s'est passé un truc bizarre. En fait, on a eu une coupure de courant. Ouais, c'est pas le même. Il y a eu une coupure de les gars, courant c'est quoi, avec la centrale. On a essayé de vous tuer, mais on s'est raté. Du coup, on va re-essayer, monsieur. Ah bah ouais, désolé, on t'a raté, ça fait mal. On va refaire. Ouais. Restez là, on revient. Non, monsieur, c'est pas vrai, monsieur. C'est juste un accident. Ils sont là, il y a Jordan Bogos. Monsieur, vous n'êtes pas obligé de vous rendre. C'est fini, monsieur. C'est fini, monsieur. Tout va bien, mon petit chou, tu peux baisser les bras. Hein. Jordan. Ah, je sais ce qu'il a envie, attendez. Je pense savoir ce qu'il veut. Jordan Bogos, t'es là où t'es à l'heure. Ah ça va beaucoup mieux, hein, je me sens beaucoup mieux. T'as vu ta tête là? C'est bon, il bouge.
Bah voilà, il bouge maintenant. Mais Jordan, tu m'entends hein? Arrête de Jordan, ta gueule, t'as pas, réponds là. Le chinois marseillais. Jordan. Et si tu veux récupérer ton équipement, soit tu réponds, soit tant pis. Ah là, une fois que tu dis ça, ça y est, il répond. S'il te plaît, parce que là, j'étais un peu le seul. Que j'avais un équipement. Ah avec ouais, un bah alors, ça fait 20 minutes qu'on. On s'en fout de ton équipement, tu te fous dans le fion. Non, mais excusez-moi, merci. Tiens, mais Azuru. Il y a Fabrock. Crachez, il y a Fabrock. Ouais, Fabrock, il va manger son ban dans peu de temps. Il est là. J'aurais bien le rembourser. Rembourse-le. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'es fou, je rembourse le. T'as de l'argent, toi, rembourse-le. Jordan, t'avais un équipement combien? Mais combien? Bah, franchement, mais je veux juste qu'on me rembourse mon sniper. Dis-moi, franchement. Mais je m'en fous, mais total. Donne-lui. Azu, donne-lui 700 000. T'inquiète pas, monsieur. Non, pas 700 000, t'es combien? 400 000. 600 000. 600 000? C'est un mytho, c'est un mytho. Mec, sniper. Demande-lui, il y avait quoi comme sniper? De toute façon, on s'en fout, les gars, il lui donne 600 000, il va pas il faire ça de l'autre côté. J'ai vu quand il est monté dans son hélico. Mec, j'avais un sniper. Avec une chemise et un sac à dos. Le choc de marbre. Une chemise et un sac à dos, mon gars. Je t'ai vu monter dans mon hélico. T'es sorti du tarot et t'es monté dans l'hélico, mec. T'avais une chemise et un sac à dos. Mec, comment il ment, c'est un menteur, c'est un beau costume. Oh le menteur, j'aime pas les menteurs. Oh, et en plus allez, j'ai entendu nick ta mère moi, je sais pas pourquoi j'ai entendu. Si tu vas voir la mine, dis lui que c'est une pédale de ma part. J'ai entendu nick ta mère. Il y a une fuite d'hélico. Ça m'aurait pas plu, je m'aurais pas plu. Bon, c'est quoi Nana? C'est bon, je lui ai remboursé Azu. On va braquer. On va braquer. Azu, tu lui as déjà donné la thune ou pas? Ouais, c'est bon, je lui ai donné. Avec la version spéciale. Jordan, rends les 600 000 que je t'ai donné. Si t'as déjà eu 600 000, s'il te plaît. Comment? Rends. T'as reçu deux fois 600 000, donc rends-moi une fois 600 000. Ah oui, excuse-moi, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est moi. Je savais pas qu'on t'avait déjà donné les sous. Excuse-moi. Oh, désolé. Pardon. Excuse-moi. Merci de m'avoir écouté, non, tu m'as cru. Pas de soucis. Non, mais t'inquiète, pas de soucis. Ah oui, attends, je vais démenoter quand même. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un résumé. Non. Ah ouais, bah c'est un kéké qui savait pas conduire son hélico, qui s'est crashé. Mais pourquoi la PCA, elle spawn à Phoenix? Non, mais ça va pas, ça va pas, je... Attends, je crache. Ah, pardon. Je vais l'attraper, je vais le secouer comme un sapin de Noël. Ah zut, t'es où? Moi je suis au vendeur, mais je vais enfourrir le véhicule, là, hop. Je crois que c'est toi en hélico qui s'est barré, je me dis, gars, attends-moi. Pas moyen d'avoir une MK18 rose. Ou éventuellement bleu ou arc-en-ciel. Viens. Ah mais j'ai le pilotage, assure. Ah ouais, on est full staff là. Ok, je gère. Moi j'ai peur. Quelque chose ou on monte? De quoi? Il prend. Mais il y a 3 places dans celui-là. Il y a 3 places. Hein. Ah, c'est bon, on prend un Mingbird, on prend un Blue. Ouais, on va prendre un hélico à côté. Ouais, ça sert à. Je sais pas, chaud me trimballer là-dedans. Les tampons, il est là dans le vide. Il dit quoi? Quand c'est du loin. Y'a pas de blessé ici, monsieur. Là, je me rappelle une fois, c'était les couilles, il m'a braqué à Chanel C. Non, mais pas de problème. Je sais pas ce qu'il a l'embu, mais il y a un petit peu sale, hein. Prends un transport, là. Ouais, pas de problème. On veut juste de mal à la police. Oh merde. Tu peux me donner un kit de réanimation et une poche de sang? Bah attends, c'était la mienne. Tu vois tous les hélicos au-dessus de freiner, mec? T'as abusé, faut qu'on soit d'ici, il va y avoir un accident. Du coup, tu le fais pas. Non, je vais pas le faire, c'est pas possible. J'ai déjà essayé. En fait, y'a personne qui monte avec. Si, moi je suis monté avec Asbu, moi. Non, c'est bon. J'ai pas confiance.
Mais qu'est-ce qu'il fait, il me saoule le gars. Fais gaffe, on écrase dessus. Oh, fais gaffe, tu veux le rentrer dedans, aussi. Pas grave. Putain, j'aurais pas dû monter avec lui, quoi. On fait quoi, là, juste? Je sais pas, braquer, on essaie de se cracher en hélico, je pense. Merci du follow, Guillaume. On va braco, les gars, on va braco. Mais par contre, t'es plus dans le... Je suis plus chez les gitans, moi. Bah quitte, je te ravite. On va t'inviter. Il réinvite. Ah bah, y'a plus de place. Sérieux? Y'a un mec. Qui n'est pas là? Bob, il est plus là. J'en viens. Bob, il compte rester ou pas? Bah, en attendant... T'as bah, Stalkcraft ou Pierre, vu que Stalkcraft est gendarme. Ou Sean. Sean, il est... Enfin, j'ai déjà viré Bob, en fait. Non, mais j'ai déjà viré Sean, en fait. C'est qui le gagnant du coup? J'ai pas pu voir, désolé le chat, j'étais tellement... on était tellement occupé à faire des conneries. Faut qu'il quitte son gang, truc. Ouais. Non mais c'est pas grave, Bob... Sean il joue jamais. Il est même plus sur le serveur des fois, il joue plus genre d'attente. Au pire on rachètera des places, hein, c'est pas le problème. Bah on a de l'argent le gang. Bah vas-y, bah attends, écoute. Bah attends, je vais les acheter au pire, moi. Mais y'a de l'argent dans le gang, autant c'est servi ça. 3,2 millions. C'est rien, ça. Oh, bah c'est ce qui reste à peu près, quoi. Regarde. Bon, hop, voilà, c'est déjà un gang de 16 places. Oh putain. Pour avoir plein d'intérimaires. C'est intérimaire. Vas-y, réinvité. Alors, j'ai sur le gang, ping. T'as de l'argent pour venir chez nous? Ouais, j'ai un ping. Ok, bah t'es le bienvenu. En plus, que j'en puisse à la banque, là. S'il vous plaît, on souhaite la bienvenue à Ping Yang, s'il vous plaît. Si, si. Re-bienvenue. Non, mais c'est parfait comme solo, Moret. GG à toi, Reaper. Ah, ce sera pas une Ferrari, mais ce sera ton pseudo. Désolé, je suis plus chaud faire un métrage que un dessin à faire de caisse, en soit j'aime bien aussi, mais next time. J'en étais sûr que j'étais pas vu qu'il fallait. Moi, je montais avec une pédale, tout se passe bien. Ouais, on va aller vers l'alcool, je pense. Attends, j'étais avec qui? J'étais avec Mimar. Il a dit quoi? Grincheux, raise-moi s'il te plaît. Putain, il est pas chiant lui, il arrête pas de crever. Je t'aime, ma poule. Ping, 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 ping. Kill-le, s'il te plaît, tue-le. À l'aise. Dis, vas-y. Tu t'es trompé. Désolé, je me suis gouré, mec, je te jure. Ouais, ta gueule. Mais les deux restent en stream, d'abord. Je savais qu'il fallait pas que je monte avec lui, là, bordel. Mais ta gueule. Attends un peu, ouvre ton interface. Ouais. D'accord. Bon, j'arrive. Vas-y, tue-le aussi, Neymar. Non, faut me vanille. Allez. Je suis full stuff, enfoiré. Vas-y, je suis full stuff. Je suis encore dans l'hélico en plus. Je peux pas sortir. Eh, la France aux galériens. Bien ou quoi? Oh. Vignoble. Attends, j'espère qu'il y aura du people au moins. Là tout de suite, je pense pas. Bah, il est quelle heure là? Il est 20. Bon, ah, si, tu vois, vignoble, ok, ouais. Bah, sinon, après, on va vers Kavala, il y aura rien d'autre de toute façon. J'ai soif. Ça va sinon, Neymar? Bah, j'attends que tu me rallies. Ah ouais? Ah ouais. Lol. Tu peux attendre. Y'a un avion au-dessus de moi. La culotte de sa mère. Que de ta sœur, ouais. Ah, mec, j'aurais une sœur, elle serait déjà au couvent, mon gars, je te le dis. Attends, y'a un avion? Tu vises et tu fais F8. Les modos sont en mode super crash sur mon stream, c'est marrant.
fais la planche TP, je vais faire exploser le véhicule. Attends, t'es où là? C'est le pire modo qui soit sur ce je jeu. Je sais pas. Pas dans la... pas loin de Freddy. Ah, je crois. Ouais, les gitans là sur le côté gauche, vous avez pas envie d'aller place faire un petit somme, ouvrir vos yeux? Ah quoi? Ouais, c'est possible. Place de fumer des joints là. Je crois que je te vois pas, Jameson. Les gitans Jeannot? Non. Si, si. Tu as gagné une nuit à l'hôtel avec monsieur la baveuse. T'as tout compris, canaille. En fait, j'ai menti, ce sera pas un lettrage. Ce sera une nuit à l'hôtel de Pyrgos avec monsieur la baveuse. Attends, mal, je crois ça. Qu'il y a l'embu qui arrive. Ouais, ouais. Est-ce que me réanimer sinon On passe en dessous. Que ta gueule là. Ça me fait flipper. C'est quoi que j'entends là? Ça hurle là, non? Ouais, je suis juste toi. C'est bon, on est passé en dessous. On est passé en dessous du ciel. Y'a personne qui a envie de prendre une petite mission d'épée, colis de livraison, tout ça? Ah ouais, ça pourrait être trop bien ça. On peut pas se faire braquer, ça c'est pas bon. Non, pas des DP, mais ah bah, faut qu'il y ait des gens que les civils se bougent les doigts du cul et qu'ils prennent un camtar. Voilà, moi, franchement, je vais le faire tout le temps, je trouve ça trop drôle, mec. Tu sais d'office que tu vas te faire braquer. Et y'a moins que ça parte. Enfin, surtout si tu tombes sur les gitans. L'autre fois, je tombais sur des connards, donc c'était pas drôle, mais. Bah nous le camtar on le récupère jusqu'à la genre tu sais les mecs pas du tout RP, ils m'ont pris les clés comme ça, ils m'ont pas parlé une seule fois. J'avais juste, après ils m'ont dit ouais on met du sable sur ton canon comme ça tu peux pas nous tirer dessus. Je veux c'est ça, ça t'a vu mon grand. Ils sont partis, je les ai asmat. Les joueurs comme ça, mais c'est vraiment une plaie quoi. C'est une plaie. Une plaie mon gars. J'ai hésité à les ban d'ailleurs, puis je me suis dit non. Quand même. Ouais, un minimum de parole, c'est. Ouais, je sais pas. Bah, franchement, honnêtement, je pense que sur ce genre de truc, je vais être un peu plus sévère parce que les braquages comme ça, moi, ça me rend ouf et je vois que ça arrive beaucoup trop souvent aux autres, tu vois. À moi, moins en moins parce que les gens me connaissent, mais. Et qui savent. Reconnu avec ton stream. Ouais, bah, c'est le problème un peu. Non, mais c'est pas spécialement. Mais c'est le fait qu'ils sachent que t'es admin, quoi, tu vois. Et du coup, ils se tiennent à carreau et. On est mort, on fait quoi? Putain, mais c'est désert sur cette île. On est 120, y'a personne quoi. Neymar, prends un truc pour éditroyer des véhicules, comme ça si on fait pas des véhicules, on va les vendre. Bah, on a le tarif de transport. Parfait, ça marche pas. On peut hook avec le transport. Ouais. Ah non, tu peux pas hook avec le transport. Il y a une carrette là en dessous à récupérer. Là, elle roule. Oh, putain, on a fait ce point. Si elle roule, tu peux pas apparemment. C'est écrit dans vos règles. Enfin, sauf si le mec coopère pas, quoi. On va faire en sorte qu'il coopère pas, c'est pas grave. C'est quoi comme là, carrette? Il y a encore une nouvelle règle. Tout droit. On peut plus voler les véhicules des gendarmes, c'est ça? Ah bon? Ah, bah, apparemment, tu peux la prendre que si ça te permet de fuir une action et que t'as pas d'autre chose. Bah non, ça c'est pour dire en gros que si t'as pas de raison roleplay, tu peux pas aller troll les gendarmes, faire assommer comme moi j'ai fait la première fois pour tester les Mégane RM. Tu... RS. Ça, c'est logique. Moi j'ai toujours envie des mecs crocheter les véhicules gendarmes et se barrer avec. Bah si t'as, si après t'as envie de te faire presser pour un gendarme, pour moi c'est juste que de nouveau c'est le même problème que d'habitude, t'as trop d'abus dans tous les sens et après t'es obligé d'inventer des règles de merde pour les gens débiles. Bon, on fait quoi au tir de sommation quoi, nanar, pour l'arrêter la voiture? Ah, ou alors il va se crasher. Ouais. On va lui mettre un peu la pression, T'inquiète, j'y vais. Ah non, non, je m'inquiète justement. Non, on est plus imposant que vous, on pèse dans le milieu. Quand vous êtes déjà derrière nous. Ouais, vas-y, je me. Lui va nous foncer dedans, lui. Terriblement stylé, quoi. On est comme ça. Le Razmat? Ouais, tu le Razmat, tu lui mets à mort la pression, balance les leurres aussi. Tu l'écrases pas. Au-dessus de lui, tête de bite. Ah, voilà, attention. On joue que c'est pas craché quoi. Bah si, il s'est craché, obligé. Non. Bah, tirez lui dessus, il a compris. Il roule. Le mec est en panique. Attention. Tu veux tirer comment avec un écho qui... Y'a un autre qui arrive, y'a un véhicule qui arrive en face. Ah, ça se vend aussi, c'est bon ça. Il met les mains sur la tête ou pas?
Non, ça se voit pas là. Non, non, il est dans la carrette là. Il se dit, pourquoi il braque? Fais gaffe en dessous de nous, vas-y, fais gaffe en dessous de nous, vas-y! Ça, c'est rien. Oh merde! J'ai cassé l'hélico. Attends, Gitan, on a un souci. C'est moi qui ai les clés, c'est moi qui ai les clés. Ouais, mais l'hélico est capote. Bah, vous le réparez. Oh, mais Gitan, il a plein de répar-kits dans son sac, je le sais. T'as de l'essence au moins? Ouais. Pop, remets les mains sur la tête là, t'as pas dit de les enlever là. Putain, il doit dégoûter le mec. Oui, je suis de prendre la voiture comme ça. Bah, le mec s'est pas arrêté, donc techniquement, si tu veux jouer sur les règles, oui, tu as le droit, tu vois. On lui a mis les leurres, il s'est pas arrêté direct. Après, ce serait chiant d'aller lui revendre. C'est limite quand même. Ouais, c'est tout à fait. Non, limite. Mais laissez lui la bagnole. Oui, ouais, mais on va lui faire un peu peur, c'est tout, il est à côté d'un garage. Ça fait deux fois, Ouais, on l'a déjà braqué. Ouais, bah, rends-lui sa bagnole alors, rends-lui sa bagnole. Bon, mon petit chou, vous avez de la chance, hein. Vous avez de la chance que je sois gentil, parce que grâce à moi, je leur ai dit de vous laisser la voiture, parce que vous me faisiez un peu de peine quand même, monsieur. C'est pas vrai, il voulait la garder. Ah mais c'est pas vrai, il y a un garage à 1 km, vous avez... Vous avez l'air d'avoir de bonnes jambes, mon petit chou. On pourra faire une petite photo, non? Tu bouges pas. Je répare les coups, tu bouges pas, je vais te dire. Et mon petit chou, je pense bien que... Nous, on adore la ferraille, hein, on veut juste revendre les jambes. C'est plus un braquage de voiture, tu bouges pas, c'est un braquage de voiture. Tu peux pas nous jeter de clé de 12. Ok, on est con, on est d'accord. Hein. Une clé de 12, ça veut dire que t'es un connard. J'ai piqué sa trousse à outils, j'en ai vu plus. Attends, on lui voit pas sa voiture. Y'a un truc jaune là, à gauche là-dessus. Ah, un Zamak jaune Barbie là. À notre gauche. Rien. Ah oui, ouais. Y'a un Zamak à gauche, les gens. Un Zamak weed. Oh, ça se vend ça. Ça se vend ça, tu vois. Et ça, là, tu vas te gagner du bif là. Attends, il est où, je te vois pas. On se le fait, on se le fait. Il est devant nous, devant ta rue. À nos midi là. Ah ouais, vu, merci. Comment on balance les leurres, hein. Gardons qu'une seule leurre par braco, les mecs. J'ai le chat et j'arrive pas à mettre en pause. Ça. Il vient, je crois qu'il vient du champ d'héroïne. Ah ouais, c'est sûr. C'est bizarre, je suis passé, je l'avais pas vu. Voilà, là, c'est bon. On va lui mettre un peu la presse aussi, il va se prendre un rocher. Bah, j'ai gueulé au-dessus de ce... Oh, il y a vécu gendarmerie qui va de Strider. Voilà. Où ça? Sur nous? Non, il vient de démarrer. Vous pouvez shooter les roues avant. Hein. Ou faire 2-3 tirs de soma avant. Non, attendez. Tu t'es en mode AFK. Stabilisation, s'il te plaît. Mais balance pas trop de leurre, t'en as besoin, gros. Merde, j'ai plus de balles dans ce plan de gun. Il s'arrête. Non, y'a pas de gendarme. Il est hostile ou pas? Dites-nous s'il est hostile de ta rue. Je sais pas, Azu, il fait des loopings depuis tout à l'heure. Oh, mais putain, j'arrête pas de casser cet hélico, quoi, c'est pas possible. Quelle ta rue? Bon, je la répare direct. Mais toi, connard. Main sur la tête, c'est un braquage. Allez, reprenez pas le pied. Bah, des gitans. Mais même, attendez, oh, mais tu vois la place du mec. Allez, la code carrette en dessous de nous, Azu. Courant devant nous. Ah non, mais 5 coups à outils, je les ai pas. Deux carrettes. Un Strider qui arrive sur vous, les gars. Ouais, un Strider fait. Et mon petit chou, je t'ai juste pris ton téléphone, ça va? Arrête de râler, hein.
Vous pouvez prendre mes clés si vous voulez fouiller, vous perdez votre temps les amis, je suis vide. J'essaye de sauver un ami qui s'est arrêté par les chiens. On s'en fout de ton camion, nous on veut des trousses à outils. On braque des trousses à outils. J'en ai une ou deux je crois, j'en ai pas plus. J'en prends une. Allez-y, servez-vous. Bah, vous savez, si c'est pour me demander ça, c'est pas la peine de me menoter, hein. Je vous les aurais donné volontiers. Ah monsieur, Les gars, libérez-moi, c'est des chiffres, ça c'est des chiffres qui sont mon ami. Libérez-le. On a plus d'hélico par contre. Mec, il a dû faire quelqu'un dans sa culotte. Y'a derrière nous. Non. On a plus d'essence. Shootez-moi le Huron. Non, il prend des spiders, il y a le spider. Non mais notre hélico il répare ou pas? Oui. Non, il a plus d'essence. Il a plus d'essence, les gars. On est dans la merde. Il essaie d'arrêter le Strider, mais le bon. Courez les gars, courez. Ça tire là. Go au garage. Courez les gendarmes. Vite. Ah c'est les flics en fait, ils héliportent leur... Ah ils vont faire détection de Zama Club. La façon de courir est tellement épique. Et ils s'arrêtent là par contre hein. C'est pas pour nous, regarde-le pas dans les yeux, c'est bon. Je l'ai regardé. Oh, putain, quoi. Oh merde. Moi aussi je l'ai regardé, je pense qu'il m'a vu. Le Strider arrive sur vous là. Ah non mais c'est celle... On s'en fout, c'est un Strider dernier. En fait, il y a plein des sacs, fais gaffe vas-y. Ah bon, merde. Garde-moi les... Regarde les tout bien. Ouais. Il court comme ça, tranquille. Le premier, comment est-ce qu'il court? Co. Ah, Xamac qui a abandonné, les gars. Ils ont laissé Xamac ici. Et y'a rien dedans. Bah, on peut le vendre. Moi, je vais aller m'acheter un car. Mec. Attends, descends-moi là. Les gars, baissez la tête. Bah je cours en mode tapette les mecs. Tranquille, qu'est-ce qui se passe? Quoi, ça tire? Ça tire sur qui les mecs, sur vous? Non, moi tu me tires pas dessus, mais je sais quoi. C'est un mec à la caisse qui tire sur le Huron pour qu'il nous tire dessus en fait. Ah l'enfoiré. Mais tire dessus le bâtard. Regarde-le pas dans les yeux, je t'ai dit. Il me tire dessus alors que j'ai rien fait. C'est vous qui lui tirez dessus là? Moi non. C'est fou, je tire pas sur une bête comme ça moi. Putain, y'a même un sniper. Je crois, Azu, si tu restes là, tu vas te faire démonter. Hein. Regarde pas. Ah, hey, les gens, y'a un tempeste là, juste à droite. Où ça? À droite, au niveau du. Bah l'aérien, j'en ai un. Falcon, tu vas où comme ça? Je cherche un hélico. Ça c'est loin. Ah bah. Moi je voulais m'acheter un cap, mais j'ai pas de sous. Où je te reprends, Jeannot? Bah attends, en fait, y'a des mecs là dans le bâtiment, ils me font peur. Merci des follow, les mecs. Merci à Hugo. Oh, je vais voler Xanak, moi je vais le voir. C'est le sniper qui est dans la tour, il me fait peur. Et un Strider, fais gaffe. Hein. Oh, je crois que le Huron. les gars, le Huron il m'a regardé de travers, je l'ai détruit. Ouais, bah oui. Il tire sur toi, lui là. Ouais, je sais, mais il va rien faire. Attends, je vais le buter. Hein. Vas-y, bute-le. Il est où? Il est en dessous de moi. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de toi, Xamac? On me tire dessus. Moi, je suis à côté de toi là. Hein. Demi-tour, je vais donner collègues. C'est qui te tire dessus, Azu? Bah. Vous me tirez dessus, Salut, Azurion, un cheveu. Ouais, on est en action là. Putain, ils sont partis ces bâtards. Je suis avant 18. J'en ai marre, les gars. Je me fais tirer dessus, je suis en train de courir. J'en ai marre, il revient. Tu veux bien ou pas, tu veux monter?
Attends, je vais buter moi. Il tire dessus depuis tout à l'heure. Le sniper me tire dessus.